C'est bon, ça marche. Pa 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 la la tadam. Ok, c'est bon, ça marche. Alors, je vais me... On va continuer. Non, pas ça. Ça. Ah non. Je vais aussi mettre sur Twitter. Tout, 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 tout. Ok, alors, donc ceci c'est une commission. Faut que je retrouve là, voilà. Non, ça c'est mon image. Allez. D'ailleurs, on va mettre le lien du serveur. Balaladam. Eya Rayla, coucou. Je venais dans mon serveur pour faire des vocales, s'il vous plaît. J'ai pas envie de me sentir seule. Pendant que je dessine. Sinon, je vais écouter de la musique. Hop. Pa 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 la la la. Coucou Neka. Coucou Mikaya. Mais venez vocal sur mon serveur, s'il vous plaît. Je me sens seule. Tout, 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 tout. Vous en avez toujours moyen. Mettre le chat sur mon téléphone. Tu regardes Fruit Basket, Neka? Il est trop bien, Fruit Basket. Ah, c'est mon enfance, Fruit Basket.
J'avais beaucoup trop aimé. Non, mais sérieux, venez, je me sens vraiment seule. C'est pas très drôle. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da. Ah oui, on sent dans ma voix que je suis pas opérationnelle pour faire des choses comme chanter, parler fort. Je suis un peu en PLS en ce moment, mais c'est pas grave. Ça a l'air tellement plus simple avec une tablette avec écran. Yes. En vrai, genre c'est juste aussi que ça fait des années moi que je dessine à la tablette. Hein. C'est pas forcément plus simple des fois. Oh, nique ça. Oh, son bras est en train de me saouler. Faut savoir que je suis une rageuse moi quand je dessine, hein, les gars. Il n'y a rien qui me... C'est juste un truc. Oh mon Dieu. Du son. Bonsoir. Attends, je monte ton son. Bonsoir. Ah bon, moi Bonsoir, c'est bonjour. Oui, mais en fait, je t'explique, dans ma chambre, c'est la nuit intersidérale. Genre, j'ai même pas ouvert mes volets. Enfin, si, mes volets sont à moitié ouverts. Puis j'ai le rideau devant, donc du coup, bah, je vois rien. J'ai l'impression que je suis dans la caverne. Bonjour. Coucou Bonjour. Loli. Coucou. Ah, je préviens longtemps, juste qu'il y a tiens. ma cousine, il y a ma cousine qui regarde Disney derrière, du coup. J'allais dire, t'inquiète, moi Okay. j'ai l'habitude de ta sœur, donc. Mais là, c'est pas ma sœur, là. Elle est plus petite que ma sœur, tu vois. Oh, cutie. Oh, Je sais même plus à perso, laquelle j'ai elle est. mon chéri qui est derrière, il est en train de jouer, donc il va y avoir du son pour moi. Là, là, là. Je suis Moi je censée... suis seule, ça va. Par contre, c'est là, je sais pas si tu sais, Bien aussi. ça me, je sais pas si ça le fait à tout le monde, mais moi j'ai le son que d'une oreille, que sur une oreille. Ah, mince. Attends. Sur ta vidéo, hein, je parle. Sur ton Ouais, oreille. je vois. Oups, je Je fais suis ce que censée j'ai faire fait. un DM de maths et j'ai Parce qu'au fermé un début j'ai DM. flippé, je me suis dit mon, mes écouteurs ils marchent plus, tu vois, j'en ai un côté qui marche plus. Mais au final non, parce que j'ai vérifié avec une musique. La Cocuyote méthode! auto. La méthode! Elle Balance. est pas Faut bien la vérifier, tu vois, j'avais trop peur. J'ai mis en mono là, est-ce que vous pouvez vérifier si ça marche? Attends. J'ai mis en mono, mais c'est parce que c'est vrai que j'ai envie de venir en vocal. Bah faut venir en vocal si vous avez envie de venir en vocal. Non, c'est bon, ça marche. La logique incroyable. Ah. Da! Da. J'ai la Tout flemme de tout faire mon DM, tout tout gros. tout 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 tout. Il faut Tu veux... faire ton DM, c'est pas bien. Meuf, je fais des maths! Déjà, qu'est-ce que je fous en S? Est-ce Je que cours... je me suis déjà demandé moi aussi ce que je faisais foutais en S? J'ai jamais trouvé la réponse. Non mais. C'est pour ça que Je cours en je. S. C'est pour ça Bonjour. que moi Même j'étais plus parti en de la S, ça Bonjour. existe plus. C'est Sanzan, bonjour. Bonjour. Il y a que des gens que je connais pas. Salut! J'ai pas du tout gêné, surtout parce que. Quoi? Je sais pas pourquoi je suis gêné d'un coup. Parce qu'il est en... il est entouré que de filles, c'est pour ça. Shira, tu Ah. dessines quoi? Enfin, tu dessines Une qui? commission. Oh. Parce que moi, je gagne des sous.
d'argent, wesh. Ça me rappelle un certain truc que tu as dit sur une des convos, Qu'ai-je dit donc encore? hein? Oh, rien, rien du tout. Tu dis beaucoup trop de trucs, je suis un... Je dis beaucoup trop de conneries, surtout. Putain. Moi, attends, je C'est bien de dois. dire des conneries, écoute. Moi, je dois faire un dessin parce que j'ai des cours de dessin appliqués. C'est bien ça, les cours de Qu'est-ce que... dessin. C'est bien, mais le problème, Ma cousine, elle a fait tomber ma guitare. Ah merde! Bah, tu la tapes, ta cousine. Tu travailles sur quoi? Comme logiciel? Clip Studio Paint, parce que Clip Studio Paint, c'est le futur. Je vous le conseille tous, il est pas cher et en plus, il est trop bien. Et des fois, il est en promo à 20 euros. Donc, faut surveiller. Reste regarder ta princesse. Tu peux pas changer de Oh. salut. Moi j'utilise. Alors, attends, je me rappelle Regarde les princesses. du nom du logiciel. Chose. Avec ma mémoire de poisson. Putain, je lui ai mis le film officiel Disney. Elle est partie Ah, regarder un vieux truc que j'utilise j'aimais plus et tout Sketchbook. ça. Ça J'ai me perdu mon dirait. dessin, au secours. C'est sur Mac. Triste. Ah, d'accord, c'est pour ça, parce que moi je travaille sur Windows donc. Ah oui, et mon Moi je vais dessin avoir un c'était. nouvel ordi. Je vais me faire couper, ok, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, tu partiras. Oui. C'est juste que tu m'as Je coupé. vais. Loli, elle a rien entendu. Loli, elle coupe tout le monde, t'inquiète pas, c'est normal. Je suis seul d'un Mais non, coup. mais. Parce que. T'inquiète, je rigole, t'inquiète pas, je Je m'en fous. bug une fois sur 10. Du coup, j'entends les gens une fois sur 10 aussi. Ça, c'est la co en carton de Loli. Oui, Surtout quand elle est ça chez fait sa 4 ans, famille. ça a toujours pas changé. Donc je disais, Oui. je dois faire un Pringles. Enfin, faire le logo Pringles. D'accord. Waouh. Super comme dessin. Pourquoi? Ce... Pourquoi faire des Pringles? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te tortures? Beaucoup trop violente. Mais non, mais... C'est la joie, la torture. Je vais me cacher, je vais Bah, partir. au je vais revoir. fuir. C'est un promo. Mais, vous êtes méchant avec moi. Non, c'est juste toi qui n'en rien. T'avais pas bien là quand même. Comme d'habitude. En plus, je suis malade, alors là, je te dis pas. En plus, hier soir, j'ai bu. Alors, hier soir, je t'ai envoyé tous les messages du monde. Hier, je parlais. Loli, hier je parlais avec Romain, puis d'un coup, je me suis rendu compte que je parlais toute seule parce qu'il s'était endormi. Faut consommer avec modération, les gens. Oh non, mais. Juste baisser un peu le fond de En plus, Discord. j'étais dans une discussion sérieuse et tout, en mode, ouais, pour la voiture et tout, on fait comment? Moi j'arrive comme ça et tout. Bourré. Tu... Et pff, oui. Non, mais j'avais bu une infusion, je te rassure. Du coup, j'allais un peu mieux. Une infusion à quoi? Une C'est infusion savoir. à la camomille, c'est trop bon. Pas jamais goûté. Et bah c'est trop bon, tu mets un peu de miel et tout dedans. Miam. Je note les choses à boire. À boire. Les choses qu'il faut que je goûte. Je trouve Elle pas a mes les copies doubles, yeux c'est trop triste. bleus. Comme les Sinon je crois. comme la liste des mangas que je dois regarder. Oh. J'ai pas compris la blague. Est-ce qu'il y avait une blague? Pas Je sais vraiment. pas, peut-être, je sais pas. Je fais des blagues de merde, J'ai donc au passé mes final. pires. Du Loli, coup, Syrah, je putain. te disais, je vais. Non, Oui! pardon! Oh mon dieu! En Je fait, c'est que j'ai réagi trop en retard et du coup, ça a fait quand tu parlais. Merde, pardon. La maladie est présente. Non. Okay. Du tout. Putain, mais t'es sérieux? Genre, Pierre. Se préinscrire. Les yeux bleus. Hein? Oh. Pour Non, je vois pas ça, la je pile? suis en train de dessiner les yeux. Hihihi, je Ouais, dessine des cieux. enfin, mettre la couleur bleue des yeux. Oui, bah, excuse-moi de faire du painting. Enfin, je fais un Mais... painting, mais à ma façon. Genre, je dessine pas comme les autres, moi. Je fais un truc. En fait, je mélange tous les styles du monde et je dis, ouais, c'est du painting, t'inquiète. T'inquiète, ça Alors, passe. Syrah, je noterai que c'est au moment où tu m'as dit de me taire que Mako a craché. Ah. Voilà. Mais je suis la déesse toute puissante en ces lieux. Non. Si? Et Du coup, j'ai vous toujours pas m'écoutez fini ma sinon? phrase en fait, hein. Ah oui, mais tu parlais de quoi déjà? Je te disais que je vais enfin avoir un PC qui exploite Windows, t'as vu?
J'arrêtais dessus au moment où il y avait écrit une maladie chips. Quoi? J'ai fait une blague de merde encore en disant j'ai arrêté de suivre quand elle a dit chips. Hein, comment ça elle appelle chips? Mais alors? Ah! Je me casse! D'accord. Je me casse, je me casse. Salut! Vous ne m'entendez pas partir! Effectivement pas. La 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 Je connais pas, bonjour. Tu connais pas Billie Eilish? Putain, ils l'ont foutu cette chanson là, ils l'ont foutu en boucle. Arrête de bouffer tout ce que tu trouves. Qu'est-ce qu'elle bouffe? Arrête de manger. En fait, il y a des j'ai un oreiller qui est fait avec des morceaux de tissu genre enfoncés pour faire joli et elle les a enlevés et elle les met dans sa bouche. Ah. Mais sinon elle veut détruire la planète ta cousine ou ça se passe comment? À quel âge? Elle a détruit mon coussin. 3 ans, je crois. Personnellement, j'ai pas envie d'avoir une cousine comme ça. Hein. Shaima, tu sais t'as quel âge? Oui, certainement. Quel âge? Oh, Shaima, c'est le nom d'une de mes collègues. Mais parle. 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 Elle m'a répondu, mais j'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Elle a parlé trop doucement. Discord, c'est bien. Pourquoi tu vas sous la chaise? Oh, du coup, je me demande de vous parler sur Discord là. Oui, j'ai mis le lien de mon serveur au cas où dans la description de la vidéo. Je réponds au chat en même temps. Oui, oui, on nous entend dans ta vidéo, oui, j'ai vérifié. Hihihi. Pseudo is Milk. J'aime bien ce pseudo, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Non, Yadana. Pokunananana. Kimi yo iso iso inakunare. Non, c'est juste que t'as dit beaucoup machin mokuwa. J'ai juste reconnu ton petit bout de phrase là. Putain, je m'en fous plus des paroles. Ne iso iso tsu te chaeba. Je sais pas, je mélange toutes les paroles. La 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 la. C'est un carnage. Oui. Tout, 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 tout. Mais qu'est-ce que tu... Alors, moi, je vais partir parce que je ne connais pas les musiques et je me sens reclus de cette société. Ah, non, mais ça, c'est juste le lit. C'est une musique d'Hatsune Miku, en plus. Je suis pas... Mais tout le monde n'est pas un petit Kiku Vocaloïde. Pardon. Parce que je... T'expliques un truc. Je suis pas... Voilà. Ce que tu faisais à la base, c'était du Vocaloïde. Quoi? Pardon. Je vois pas de quoi tu parles. Pas du tout. Non. Bonjour, j'ai 19 ans, j'ai pas évolué en 4 ans, j'écoute toujours les mêmes choses. C'est bien pour ça que la dernière truc que t'avais envoyé, c'était... Mais viens, allez, viens, n'aie pas peur. T'as fini, j'ai pas compris, Mika. Ah. J'ai dit, c'est pas comme si le dernier truc que tu avais passé en... que tu avais fait, c'était du bon ah. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, si t'arrives à me gérer les oeufs qui sont sur la combo. Ah, mais moi j'ai désespéré. Hein. Ah, parce qu'on est trois. Hein. On est trois. Sur sa chaîne. Shira, tu te fiches pas un peu de la gueule du monde là? T'as dit quoi? J'ai fait quoi? Il y a quasi que du Vocaloid sur ta chaîne, même sur ta nouvelle chaîne. Non, mais il y a une vidéo que j'ai mis en privé, c'est pas du Vocaloid, d'accord. C'est Here With Me, parce qu'elle est moche. Ça, c'est typique des youtubeurs, quand c'est dégueulasse, tu vas en privé. Ah ouais, non, mais... Et encore, moi, je le fais pas trop, parce que sur mon ancienne chaîne, j'avais quand même 150 covers. Hein. Au moins. Mais Shika, moi aussi, je suis timide. Hein. Mais Shira, je me rappelle, je t'ai dit, est-ce que je supprime mes premières covers, tu sais, parce que c'était même pas mixé. Et tu m'as fait, non, laisse, comme ça tu vois comment t'as commencé et tout. Non, mais c'est ça, hein, en vrai. Moi aussi, hein, j'ai des trucs dans les tréfonds de ma chaîne. J'ai des trucs qui datent de 4 ans, et c'est moche.
Genre, c'est vraiment moi qui chante par-dessus l'ordi. Ah, moi, quand même, j'ai commencé. Genre, je sais pas, pour moi, ça semblait logique d'enregistrer ta voix et de foutre ça sur une instrumentale alors que j'avais aucune connaissance en musique. Hein. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça a été logique. Je sais pas, j'ai commencé, j'étais en troisième, j'ai fait oh putain, je veux un micro à Noël, ça a l'air trop bien. Et puis voilà. J'avais 15 ans, ma gueule. J'avais quel âge? J'avais 14, 15 ans. Pas grave, tu nous écoutes dire des conneries. Putain, ça fait 9 ans. C'est il y a 9 ans, moi, que j'ai commencé. Oh putain. Oh, ouais, oh mon dieu. Oui, donc je te disais sur la convo, ouais, non, bah alors ça veut dire qu'on est trois à avoir désespéré, parce que c'est-à-dire les trois filles. Oui, non, mais... Surtout avec leur humour douteux, là. J'étais en train de raconter un truc, et là, on voit son mème, là, en mode, ta gueule, raconte pas ta vie, fils de pute. Désolé, moi, et ton humour, il est nul, hein. Alors arrête, hein. Ah, mais après, son... jeune... Ouais, non, mais ça va. En fait, c'est que j'en peux plus des gens. Genre, je travaille à Auchan le dimanche matin. T'as cru que j'allais rigoler après? Non, alors ça, je te comprends tout à fait. J'ai cru ce que t'as fait. C'est... Voilà. Oh non, mais j'en peux plus. Hier, j'étais en rayon. T'as une meuf, elle prend des pains de mie. Mais tu sais, elle va les prendre derrière parce que j'étais au rayon de pain de mie. Tu sais, je faisais les rayons et tout l'après-midi. Et puis, elle fait tomber le paquet. J'étais avec ma collègue, on était juste à côté. Elle nous regarde et elle part. Et puis là, ça, c'est typique. Et je fais, eh ben le pain de mie va pas se ramasser tout seul. Elle m'a ignoré, elle s'en est battue les couilles, elle est partie. J'étais en mode, je vais la frapper. Ah non, mais ne pars pas comme ça, parce que de toute façon, les gens sont mal polis. La dernière fois aussi, il y en a un, genre j'étais en rayon, pareil, parce que normalement je fais plus de la caisse, mais genre des fois je fais le rayon, ouais. Bah du coup pain de mie et tout ça. Ouais, c'est normal. Et tu sais, la palette avec les trucs dessus, tu les mets ouais. Normalement un peu sur le côté du rayon de là où tu bosses, et tu laisses un passage un peu plus large pour les caddies et tout ça. Et il y a je vois, qui commence à passer du côté où on s'est mis. Je fais, monsieur, ça va pas passer. Et puis il me regarde, il commence à se vénérer, il fait, mais vous avez pas travaillé, faut le mettre au milieu. Je suis en mode, non mais travaillez à notre place, hein, si vous voulez. Non mais le mec il s'énervait, il pensait nous apprendre un métier, il fait, bah vous savez pas travailler alors. Non mais t'es bien content que t'aies des putains de pain de mie dans ton rayon, alors ferme ta gueule s'il te plaît. Non, pardon, en fait je deviens trop violente avec ça. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai juste en caisse. Oh mais la caisse c'est horrible. En caisse, j'avais une femme, si tu veux, en plus c'était un dimanche matin, tu vois. Donc, ouais. C'est bien. Et elle avait un pack d'eau, et même pas elle me dit bonjour, elle fait, j'ai un pack d'eau. Oh mais ça bonjour. Là je regarde, je fais bonjour. Et elle fait, j'ai un pack d'eau. Et je redis bonjour. Et ça a duré 5 minutes comme ça, genre bon insistant à dire bonjour. Et du coup elle se vénère, elle fait, ouais bonjour, j'ai un pack d'eau. Et là j'étais en mode, voilà. Ah non mais oh, moi j'ai bonjour. Moi je les regarde mal en fait. Là, genre les gens ils me disent pas bonjour. Et puis du coup tout le long je leur fais la gueule. Et puis à un moment il y en a un, il a fait, vous pouvez ralentir s'il vous plaît. Eh ben non, je n'ai pas ralenti. Non, mais dans ces cas-là, en fait, tu restes calme. Tu vois, tu restes calme. Et tu les regardes en souriant, mais ça les énerve encore plus. C'est ça qui est marrant. Ah, mais moi, non. En fait, le truc, c'est que les gens, dans mon champ, je crois qu'ils sont vraiment très violents. La dernière fois, tu vois, j'ai cru que quelqu'un allait me foutre. Bah, je sais pas, en tout cas, moi, la dernière fois, j'avais peur de me prendre un pain dans la gueule. Alors, tu vois, j'ai préféré... Mais alors, pour te dire, moi, une fois... en fait, la femme, elle a acheté un paquet de chocolat, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, je sais pas, son paquet est un peu défoncé, tu vois. Après, tu te dis, de toute façon, tant que les chocolats sont pas touchés, voilà, t'en fous. Elle l'a pris comme ça. Donc, je le passe. Elle me fait, En plus, j'avais dit bonjour, etc. Elle me fait, ah, mais non, mais de toute façon, je vais pas prendre celui-là. La boîte, elle est défoncée. Je fais, oui, mais si c'est pour vous, enfin, les chocolats, ils sont pas abîmés, ça fait rien. Et elle me fait, non, mais je vais changer. Elle va pas changer, parce que c'était à côté de la caisse. Ouais. Et elle fait, ah, et au fait, ça se dit de dire bonjour. Pardon? Ah. Et je regarde, je fais, mais je vous ai dit bonjour. Elle me fait, non, vous m'avez pas dit bonjour, vous m'avez regardé de travers. Quoi? Non. Non. Non, mais tu sais qu'il y a des clients, mais des fois, mais je fais, mais le respect, il est parti où aujourd'hui?
Mais le petit, elle, tu sais, elle a commencé à m'engueuler et tout. Moi, tu sais, me détendre, tu vois, je commençais à soupirer un peu, tu vois, pour, tu sais, genre, redescendre, ouais. T'énerve pas. Et elle me fait, oh, et en plus, vous soufflez et tout. Moi, vous savez, j'étais à votre place, je sais ce qu'il faut faire. Vous allez voir, je vais me plaindre. Vous allez voir ce que vous allez voir. En gros, je vais vous virer, tu vois, je vais faire virer. Moi, je la regardais en mode, vas-y, je m'en bats les couilles. Meuf, t'as cru que. Oh non, mais. J'étais en mode, vas-y, je m'en bats les couilles. Et là, t'as le client derrière qui a commencé à la défoncer, mais genre, dire, ouais, vous avez pas lui parler comme ça et tout. En plus, vous avez dit bonjour, vous êtes en tort. Et l'autre, enfin, du coup, ils se sont disputés. L'autre, elle commence à insulter le mec. Et bon, elle est partie. Moi, je tremblais tellement, j'étais énervée. Et je passais là. Et le mec, il fait, non, mais vous allez à l'accueil, je vais leur expliquer. Je fais, non, mais faites rien, ça sert à rien. Ouais. Rien, puis non, je vais y aller. Et en fait, l'autre, elle arrivait, elle commençait à s'énerver et tout. Et le mec, il arrivait par derrière, fait non, mais l'écoutez pas, celle qui est en tort, elle a commencé à lui gueuler dessus et tout, machin. Et lui a commencé à lui dire, ouais, si vous n'êtes pas contente, vous avez qu'à dégager d'ici. Ce timing parfait. Non, mais tu sais que moi, je suis déjà partie de ma caisse en pleurant aussi. Genre, ah oui, non, mais dans les premières fois, tu sais, les caisses prioritaires. Ouais. C'est toujours un sujet chiant. De conflit. Je déteste ces caisses. En plus, aujourd'hui, j'étais à une caisse prioritaire. J'ai cru qu'il y en avait qui allaient s'engâtier là. Mais bref, genre, j'étais à une caisse prioritaire. C'était mon premier mois que j'étais à Auchan. Et puis, là, déjà, premier truc, un mec qui voulait payer 91€ de course avec un billet de 500. Sauf que, on n'a pas le droit d'accepter ça parce que c'est à partir de 250. Ouais, et le mec, il était en mode, vos lois, c'est de la merde, c'est même pas vrai, c'est écrit nulle part et tout. Bref, du coup, ça a dû bien durer 15 minutes. Au bout d'un moment, je transfère le ticket pour que mon hôtesse de zone, elle continue de voir avec lui et tout, avec la sécu. Ouais. Donc déjà, tu vois, là, j'étais pas très bien. Je commence à faire passer la cliente d'après, puis là, j'entends qu'on commence à me crier dessus. Et en fait, c'était la meuf d'après qui avait, soi-disant, posé sa carte handicapée sur le tapis derrière les affaires de la dame que j'étais en train de faire passer. Donc je ne pouvais pas voir la carte comme elle était derrière les packs d'eau. Oui. Et puis je suis désolée et tout, madame, j'avais pas vu, il aurait fallu m'interpeller. Puis même, normalement, en cas normal, si la personne... Ouais, voilà, enfin, si tu m'interpelles et tu... Et en plus, elle était avec son mari et continuait de m'engueuler, je suis désolée. Et puis là, j'en ai eu marre, je suis partie en larmes, je me suis barrée de ma caisse. Du coup, il y a une meuf qui m'a remplacée. Et après, il y a une fille, du coup, une de mes collègues qui m'a dit, en fait, tu sais, elle fait ça à tout le temps. Dès qu'elle voit une nouvelle recrue et tout, genre, elle le fait parce qu'elle a que ça à faire dans sa vie, en fait. Genre, elle a... Et puis, j'étais en mode, mais punaise, c'est tellement triste. Genre, voilà. J'ai rien fait. La première fois que j'ai failli avoir les larmes aux yeux, parce que quand même, sur coup, ça m'a surprise, tu vois. Enfin, j'ai rigolé, mais en même temps, j'ai les larmes des nerfs, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, si tu veux, il y avait un mec avec sa famille. Et en fait, à un moment, il avait genre une vingtaine de cadenas, tu vois. Cadenas par 3, il faisait 6€. Donc je les passe, au début je les passe un par un. Donc il avait le temps de regarder combien ça coûtait, tu vois. Oui. Et à la fin, genre il en restait 4, j'ai fait 3-4, tu vois. Et je lui dis, ouais, ça fait tant, je crois, ça faisait 90€ le truc, tu vois. Genre. Ouais. Et il tilte pas. En plus, il était super sympa, on parlait et tout, il était super sympa, il tilte pas, il me dit, il me passe l'argent, j'encaisse du coup. Il me fait, ah non, mais attendez, mais c'était pas à ce prix-là et tout. C'est un peu cher, il coûte combien les gars? Je fais 6€. Il me fait non, mais je ne l'avais pas vu à ce prix-là, machin. Je me dis, écoutez, moi je peux plus rien faire pour vous, j'ai encaissé, allez à l'accueil. Oui, voilà, c'est l'accueil après. Et il commence un petit peu à partir, il commence à s'énerver, enfin machin et tout. Je lui dis, mais calmez-vous, enfin voilà, on va trouver une solution. Et il me fait non, mais je ne vais pas parler avec vous, sinon je vais m'énerver. Ah, d'accord, allez à l'accueil. Il commence à partir et d'un coup j'entends salope! Okay. Je me suis retournée, j'ai fait ah bon? C'est ça la seule réaction, ah bon? Non mais. Non. Il y en a, je sais pas si c'est abusé des fois. Non, vous me donnez encore moins envie d'essayer d'aller postuler à Intermarché à côté de chez moi. Bah ouais, mais ça te fait des sous, hein. Mais après, tu vois, tu au fur et au début, tu t'es un peu perdu, mais après, à force, tu vois, tu prends la confiance et tu arrives à les remballer, mais gentiment. Ils peuvent rien dire. Genre, j'avais une collègue qui est CR, qui faisait très longtemps qu'elle
qu'elle travaille ici, tu vois. Enfin, et y en a une, elle t'a l'insultée de conne, je sais pas quoi, elle fait, mais je vous retourne le compliment, madame, et avec un grand C. Mais tu vois, c'est très poli, tu vois, c'est Oui. sans insulte, tu vois, c'est très poli. Donc, elle a rien à dire. Non, c'est ça. Moi, j'ai juste une question. Il y a plus Oui. de clients chiants ou de clients simples? Plus de chiant. Ça Moi dépend, perso, mais plus c'est de chiant. vraiment Ça très dépend des chiant. jours, mais moi perso, là où j'habite, c'est enfin là où mon champ est situé, c'est plus des chiants. Genre, il est vraiment près de beaucoup de cités et tout ça. Donc du Disons coup, que les gens sont de plus sont beaucoup plus mal polis, de plus en plus mal polis, dans le sens où ils disent pas bonjour. Dès qu'ils sont au téléphone, ben, ils te calculent pas, c'est comme si tu n'existais Ah pas. oui, ça c'est horrible. Quand ils ont leur écouteur, c'est pareil, même pas ils enlèvent pour te dire bonjour. Voilà, c'est généralement ça part de là. Moi, ce que je faisais, et surtout le pire, c'est quand. Et en fait, il y en a certains, ils posent leur sac rempli sur le tapis, et c'est à toi de tout déballer. De ce côté-là, du coup, je les regardais, je disais, vous pouvez déballer vos sacs, s'il vous plaît? C'est comme il y en a une, c'était une Anglaise, non, une Américaine. Du coup, je passe ses courses, elle avait des grosses courses, tu vois. Et au bout d'un moment, ça s'entasse, donc au bout d'un moment, bah, elle faisait rien, donc moi, j'attends. Elle me regarde et elle soupire, elle commence à emballer, elle me fait, vous savez, en Amérique, c'est les caissiers qui rangent pour nous. Regardez, je fais, bah, Quoi? Bah... on est en France ici, genre je vais pas le faire pour toi, je suis pas ta bonne. fuck? Mais après, tu peux tomber sur des clients très gentils, genre il y en a un, il sans faire exprès, enfin j'ai acheté une valise et sans faire exprès, parce qu'on avait essayé, on essayait d'enlever le carton là pour avoir le code barre, si tu veux. Et en fait, ça sans faire exprès, ça m'avait pincé le doigt. Ouais, ça m'a fait mal. Et genre dans les moments où c'était vers Noël, il était revenu et il était revenu à ma caisse et il avait acheté des petites étoiles genre Ferrero Rocher machin, tu vois. Je les passe et d'un coup il m'entend une, il fait non mais ça c'est ah, il me fait non mais ça c'est pour vous. Je Mais... fais oui merci, pourquoi? Il me fait parce que la dernière fois je vous avais fait mal en vous passant le doigt. Ah bah merci, c'est Oh, pas mais c'est trop exprès. mignon. Et Mais c'est du coup, heureusement j'ai. qu'on en a des comme ça, heureusement. Ouais, Franchement. heureusement. Mais du coup, j'ai dû appeler quand même ma chef pour savoir si je pouvais le prendre parce que quand tu as un truc comme ça, faut toujours demander. Mais c'est comme il y en a Oui. un, il m'avait acheté des fleurs. Ouais, des fleurs. Oh, c'est Genre, mignon. ouais, c'est mignon, mais sur le coup, t'es un peu gêné, t'es en mode. Oui, merci. J'avoue, c'est... Mais c'est mignon. Heureusement qu'on a des clients comme ça, genre, même hier dans les rayons, parce que tu sais, t'en as plein qui savent même pas regarder le bout de leur nez pour trouver un truc. Genre, le rayon des chips, il est en face, mais ils vont pas le voir, tu vois. Mais du coup, des fois, t'en as qui Remarque. demandent et tout. Mais t'en as, hier, il y en a, il regarde ma collègue, il fait, le pain au chocolat. Genre, passe-moi le pain au chocolat, elle lui a fait. Bon, ma collègue, elle lui a passé, j'ai regardé la cliente, j'ai fait, et s'il te plaît, non. Non, Parce qu'il y en a, mais ils sont comme ça. Alors qu'il y en a, par contre, ils sont adorables. Ils font oh merci beaucoup, je suis désolée de vous avoir dérangé et tout. Et moi, je suis en mode oh c'est trop mignon. En fait, tu vois, on est étonné maintenant qu'il ait la gentillesse des fois. Mais C'est dis-toi tout. que les étrangers, des fois, c'est les plus gentils aussi. Ah Tu vois, oui, genre les Anglais. ah, Genre, les les André et Anglais, les c'est Anglais, j'en ai la. eu adorables. Parce que j'étais, faut dire, une des seules à savoir parler anglais. Moi aussi. Et du coup, à un moment, il y a ma chef de caisse qui vient à ma caisse, elle me fait « Ouais, Violaine, toi, t'es bilingue. » Je fais « Ouais, pas bilingue, je sais parler anglais, quoi. » Elle me fait « Ouais, j'ai un client, là. » Il cherche un truc, c'est un truc, tu sais, un produit Jap, genre une sauce. Ouais. Je fais, ouais, bah écoute, ouais, je veux bien t'aider, je lui explique ce que c'est. Elle me fait, ouais, non, elle me fait, non, ouais, vas-y, toi, je prends ta caisse, tu y vas, toi. Du coup, je commence à taper, je suis allée chercher avec le client et tout, je commence à taper la discute, c'est trop sympa. Une fois que j'avais fini, après, je suis retournée à ma caisse. Et genre, 5 minutes après, le client, il arrive et il vient à ma caisse. Ah mais il y en a, ils sont méga gentils. Il y en a un aussi, tu sais, en fait, je suis en licence d'anglais. Et du coup, j'en parlais avec une cliente. Et du coup, ils se sont dit, bon, on va parler anglais pour toi et tout, pour t'entraîner et tout. Et ils étaient super sympas et tout. Et du coup, ils m'avaient dit, on adore la France, on vient ici 3 fois par an pour acheter du vin. Genre en mode, ok. Ok. Moi j'avais plein d'anglais, j'avais plein d'anglais. J'avais une idée, tu vois, elle vit en France, tu vois, mais elle venait à ma caisse parce que le truc c'est que je l'entendais parler anglais avec sa collègue, tu vois, et du coup je commençais à parler anglais, elle était trop contente.
Et à chaque fois, quand je crois qu'elle venait avec une autre personne, elle venait à ma caisse, elle lui disait, ouais, tu vois, cette caissière, elle parle trop bien anglais. Bah en fait, c'est sympa aussi. Mais moi aussi, en fait, je crois que je suis une des seules à parler anglais parce que tous les autres, il y a toutes les autres caissières, il y en a beaucoup qui sont mi-espagnoles en fait, et on a beaucoup de clientèle espagnole là où je suis. Ouais, alors, du coup, je sais. Et des fois, j'étais choquée. Moi, je suis sur Avignon. Bah, moi, je suis sur voilà. Paris. Bonjour. Allez, le sud, c'est mieux. Désolée. En vrai, je suis parisienne, je suis née à Paris et tout. En vrai, je viens de Toulon. Ah, j'ai toute ma famille à Toulon. J'y vais souvent en plus, du coup. Genre, il y a aussi Ayumi qui est là-bas. Elle ne connaît pas. Elle est gentille, Ayumi. Elle ne connaît pas. La 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 la. Tu vas du coup à la convention de Toulon généralement? La Mangazure? Ouais. Bah, je sais que tu y étais cette année, mais que du coup, en fait, j'étais en stand en plus, hein, je tenais un stand. Sûrement, je suis passée devant. Ouais, t'as dû passer devant, j'étais en face du stand de la meuf au joueur du grenier, là. Ah, putain, j'ai dû te voir. Le samedi, j'avais une perruque blanche. Tu vois le stand où il y avait tout ce qui était Fire Emblem? Oui, bah justement, j'étais en face. J'étais dans l'angle, là, au milieu. T'as dû me voir parce que j'y suis restée des masses longtemps. Il faisait des trucs trop beaux, on est d'accord. Mais tellement, mais arrête, je suis fan de Fire Emblem, donc je suis restée devant, je t'arrête. Bon, alors je prends ça. Moi, j'aurais acheté deux posters et un pins. J'ai dû acheter 4-5 pins, un poster et 3 chibis, tu sais, les porte-clés. Oui. Oh. J'ai dévalisé son truc. La 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 la. Mais c'est dommage que t'es pas quand c'est pas vu. Ouais, en plus je sais que t'as participé au concours, non, de karaoké. Ouais, bon, j'ai pas passé le premier tour. Hein. Moi l'année dernière j'avais participé. Après il y avait pas ma voix bien, mais genre j'avais gagné. J'avais participé. Mais tu sais que j'y avais participé aussi. L'an dernier? Ah ouais. J'avais fait la chanson de GTO. Je me souviens pas. Moi j'avais fait l'ending de GTO. Je sais. Et il y avait mon copain, il avait fait une chanson. Je sais. Moi je sais que j'avais fait l'opening de Mao Tsukai no Yome. Ouais, je vois. Mao Tsukai no Yome, j'avais fait aussi Higurashi. J'avais fait... Non, Umeniko, j'avais fait. Umeniko no Nakokoroni. J'avais pris aussi l'opening de Nanatsu no Taizai. Voilà, c'était rigolo. Salut les gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Il y a deux personnes qui sont venues depuis tout à l'heure. Vous arrêtez pas de parler, mais bon. Oh, pardon. Excusez-nous. On était dans notre... discussion entre sudistes qui ont travaillé dans les grandes surfaces et qui... Oui, les grandes surfaces. Oui. Oumi, Nico, c'est pas des riches, je crois, qui sont sur une île. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, parce que je crois que c'est un des mangas. Iji, Ju, Du, Te, Vanessa, Piede, Cédé et Mezo. Oui. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas cet opening alors qu'il est trop bien. Il est magnifique. Classe, putain, il est épique. Il est magnifique. Mais oui. Tu disais. Il fait tellement pas respecter, putain, j'en ai marre. Oh, chacun son tour, hein. Chacun son tour. D'abord, c'était moi et maintenant, c'est à toi. Non, j'avais parlé avant toi, bref. Non, laisse tomber. Ah, vous vous calmez, les enfants, c'est moi qui décide ici. Mais je ne suis pas une enfant. Tu es une enfant. Non, je ne suis pas une enfant, je suis plus vieille que toi. Oh non. D'accord. Mais vous vous calmez. Vraiment fini. Non. Vas-y, je t'autorise. Je voulais savoir si tu allais retenir ce genre de stand en fait. Parce que je... Attends, j'ai mis mon dessin à l'envers. Pardon, je t'écoutais pas du coup. Respect. Non mais Loli, je t'aime. Oh non, j'étais sur mauvais calque. Ça va Loli, tu te sens pas... Laisse-moi dégager. Loli, je t'aime. Loli, t'es morte. Non. Adieu Loli.
Non, Loli, tu es morte. Loli. Loli, elle est où? Flavie. Oui. Du coup, on va retenir ce genre de stand ou pas? Retenir ce genre de stand. Bah, où tu vends des trucs que t'as fait. Ah, je vais en refaire à la Mangazure, je pense, pour l'année prochaine, mais après, je sais pas trop. Parce que ça coûte des sous quand même. Je suis trop loin. T'avais réussi à vendre, ça va? Ouais, mais surtout des commissions en fait. Genre là, j'ai plein de posters, ça m'a saoulée. Mes pauvres posters à toi, il y en a pas un seul qui est parti. J'étais triste. Mes posters toiles, par contre, ils étaient bien partis. Bon, c'est déjà ça. Il y a Miku qui revient à Paris. Oui! Mais je vais pas pouvoir y aller parce que c'est un jeudi. Moi, je peux. Moi, je voulais voir Mélanie Martinez, mais c'est un jeudi aussi, alors j'aurai cours. Ouais. Je finis tôt le jeudi, t'as vu? Bah, moi aussi, mais c'est à Paris, alors. Moi, je suis en internat, donc c'est un peu compliqué. Hein. Je t'enverrai des photos. Je te tue. Comment faire rager les gens en vrai? Tu vas mourir. Je vais pas voir Mélanie Martinez, moi, je te parle pas ça. Oui, mais moi, je préfère Mélanie Martinez. Ça se comprend. Mais bon. En vrai, non, en vrai, les deux, je sais pas. Comment ils font les trucs. Ouais, j'avoue, je suis tellement intéressée par comment ils. Ouais. En vrai, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'ai dit, ouais, mais ça doit être vachement intéressant à voir quand même. Puis, il y aurait Rin. Avec des étoiles dans les yeux. Il y aurait Rin. Rin, c'est mon bébé. Mais Rin, c'était là, il y a 2 ans qu'il fallait aller la voir. Mais laisse-moi. Mais tu sais que j'ai grave eu le seum parce que j'aurais pu aller aux 10 ans des Kagamine, là. J'ai failli y aller. Et quand j'ai voulu acheter des places, il n'y en avait plus. Ah. Non, on ira aux 20 ans, t'inquiète. Pardon, ouais. Sanzo. Vas-y. Hé, hey, putain, je me fais pas respecter, c'est bon. Fais pas genre. Non, mais les deux, vous vous renvoyez la balle en même temps. J'avoue. C'est vraiment pas de mec, quand même. Donc, je disais, quand il y avait je crois que c'était il y a 2 ans où il y avait le premier concert de Miku à Paris. Je crois. Alors je dis bon bah je vais attendre un peu pour acheter les places parce que je suis pas encore sûr que j'y allais. Et quand je vais voir les places, bon bah il reste que les places. Ah non mais. Debout. Et avec ma mère on a dit il reste que les places debout. Et derrière un poteau. Hein. Attention. Ah, derrière un poteau. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller là, tu sais tu. Les places debout c'est les meilleures, faut juste arriver assez tôt. Pour pas être... Ça dépend. Non, parce qu'en fait, si je me trompe pas, là, les places qu'on achète, c'est des places qui sont réservées. Hein. La Micro ouais. Expo, je pense pas. Hein. C'est un placement libre. Ah bon? Attends, je vais regarder. Pour Miku, c'est des placements libres quand t'es debout. Ça dépend où c'est, après. Bah, il y a 2 ans, c'était des placements libres. Faut juste non, mais ça dépend où ils le font. Pour pas être au fond. Ça, ouais, à mon avis, si c'est des places, les places au premier rang, ouais, ça doit être des places ordonnées et tout. Et ouais, peut-être vu que c'est debout. Moi, les concerts que j'ai fait qui étaient pour le Project, après, ça se faisait dans une salle de concert. Moi, maintenant, je suis plus proche, je prends une place debout parce que sinon, je meurs. Donc maintenant, je prends assis. Mais en gros, faut que tu arrives en avance pour si tu veux être devant. Ouais. Ouais, en gros, tu dors là-bas, quoi. Non, pas forcément. T'arrives à 5-6 heures du matin, ça passe. Et c'est pour le concert à quelle heure? Bah le concert il est à 19h. Ah oui. Bah après t'es entre fans donc ça va, tu restes dans la queue, t'es entre fans, t'es bien quoi. Tu te prends ton McDo? Oui voilà, t'as une personne qui va chercher McDo pour tout le monde et voilà. C'est ça, c'est tu fais des roulements. Allez, qui va pisser? Bah après ce qui était bien là sur le dernier concert que j'avais fait, on est arrivé le matin et en fait le staff nous... Vous écrivez les numéros de placement, enfin le numéro de combien t'es arrivé. Donc du coup, si tu veux, la matinée c'était fait. Et après, on partait et après, au bout d'une certaine heure, on revenait et on se mettait à nos places. C'est avec trop bien. On avait les numéros. Et après, on passait pour aller faire le MCH, certains et autres. Mais c'est grave bien ça. Ouais, enfin ça, c'était super bien organisé. Donc, ça. Après, je sais pas si c'est pareil partout, justement. Non, ça dépend des organisateurs. Ouais, c'est ça. J'ai fait une bêtise. Pour changer.
Mais j'ai galère à faire. Putain, je sais pas compter. Attends. T'es en S, quoi? Non, mais y a plus de S. Ça existe plus. Ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a la forme, y a plus de S. Moi, là, j'ai pas plus mal. Moi, je dis que c'est pas plus mal. Anglais. Oui, non, c'est pas plus mal. Et moi, là, tout à l'heure, j'ai aidé mon frère à faire des exercices d'oxyde de réduction. Parce que, en tant qu'ancienne S et tout, moi, j'étais partie en licence de chimie et tout. Mais maintenant, je suis en licence d'anglais, bonjour. Mais je suis trop con, c'est 500, c'est pas... Je suis en macro-mécanique, bonjour. Écoute, bonjour. Moi, j'étais partie de S pour aller faire un bac pro photo. Alors, avant, j'étais en électricité. On m'a bien harcelé à boulot, donc je me suis barré, je suis allé en mécanique. Bonjour. Bonjour. T'aurais pu trouver un autre patron ? Attendez, en fait, à Skip, j'ai mis le mauvais lien. Oui, c'est moi, je venais te dire ça, du coup. Oui, je viens de voir dans le chat, je modifie ça. Oups. Et donc, je te disais, surtout quand t'es en bac pro, généralement, tu peux demander, tu expliques à ceux qui s'occupent des bacs pro, tu dis, avec mon employeur, ça va pas, il faut que j'en trouve un, et normalement, ils t'aident à trouver. Hein. Ce qu'ils ont essayé de faire, mais on a essayé ça pendant longtemps, mais... Ça fait 50, ils avaient pas ils avaient déjà des apprentis. Ouais, après c'est compliqué. C'est galère en bâtiment. Dis-toi que c'est encore plus galère en photo à trouver des patrons. Ah oui. Donc là, tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est faire des jobs d'été. Et le meilleur que j'ai pu trouver, c'est de travailler dans un karting. C'est déjà bien. Ouais, surtout que j'étais dans le karting, donc parfait. Hein. Oui, voilà. Par contre, il me faudrait une voiture. Une permis. Et j'imagine que tu n'as ni l'un ni l'autre. J'essaie de passer le code, mais quand je vais le passer... Ah, il manque des papiers. Ok. Moi, j'ai mon permis. 18 ans. C'est... Combien? 18 ans. Et t'as moi qui ai 15 ans qui vais m'inscrire au code, faudrait que je fasse. Écoute, j'ai 24 ans et je viens de m'inscrire au code. Voilà, donc au final... Après, ça dépend des besoins et tout de chacun. Au pire, ma soeur, elle a 27 ans, elle a fait une fois une fois de passer son permis, elle l'a raté, elle veut plus le passer. Oh non. Ouais, mais ça va l'empêcher. Moi, au début, je me disais, ouais, mais... Parce que moi, le truc, c'est parce que j'ai peur en voiture, c'est pour ça. Mais, le truc, c'est que au début, je me disais, ouais, non, mais c'est bon. J'arrive sans permis, machin, mais voilà, là où maintenant où je suis, c'est pas possible, il faut que j'ai le permis. Sinon, je peux pas aller où je veux. Ouais. Ouais, non, mais si. Maintenant, t'en as besoin ça pour beaucoup de choses. Ça dépend de chaque personne. Ouais, en fait, c'est que maintenant, t'en as besoin quand même pour beaucoup de choses. Mais et apparemment, il y a rien que pour des emplois. C'est ça, il y a des emplois qui te prennent pas si t'as pas de permis. Ouais, non. Surtout pour moi, vu que je suis en mécanique, je travaille dans un garage. Qui dit garage, qui dit permis. Oui, c'est pas faux. Oui. Donc, regarde, surtout si tu dois les manipuler, etc. Bah, c'est ça, parce qu'au final, surtout le garage qui est juste à côté de chez moi, c'est un lapis. Là-bas, il y a au moins une trentaine de voitures, une trentaine d'épaves de voitures, et qui dépassent de temps en temps. Elle est là. Que j'aimerais savoir dessiner comme toi, nom de Dieu. Oh, si, si, si. Je voudrais avoir le temps de pouvoir dessiner. Moi, en fait, le seul truc, c'est que je dessine beaucoup mieux sur papier que sur tablette. Tablette, j'ai vraiment mal. Bah, faut le temps d'adaptation, la tablette. Le seul truc que je trouve que j'arrive bien à faire, c'est les yeux. C'est tout ce que je trouve que j'arrive bien à faire. Bah, c'est déjà un truc, écoute. Enfin, un œil. Voilà, pour faire la symétrie, c'est autre chose. Ah, mais ça, c'est un autre problème. Voilà. Faut savoir. À la Japan Expo. J'étais avec des amis. Et en fait, il y avait un stand Wacom. Ouais. On s'était tous mis, tout le monde avait fait des putains de dessins. Moi j'avais fait un œil avec des cheveux et des sourires, et dans l'œil on aurait dit un œil Aigao. Vu qu'il y avait un cœur. Et tout rouge et voilà. Oh. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça.
La joie. Bonjour, je sais pas qui est venu. J'en peux plus de ma connexion. Non, c'est juste moi qui suis revenu. Dis-moi, je veux dire au revoir tout le monde. Je parle pas beaucoup, mais je dois partir bosser. Enfin, étudier. Salut. Eh bah écoute, bon courage. Bon courage. Merci. Il y a trop d'interrogations. J'en ai 7 la semaine qui va arriver. Bonne chance. Oh. Bonne chance. Ouais, et 3 sur le jeudi, et 2 mardi, et le reste 1. Voilà, donc tous les jours. Bonne chance. Voilà. Bah écoute, bonne semaine. Ouais. Mais vendredi, je suis en congé, du coup, ça c'est bien. Mais le reste, je vais en baver. Alors. Voilà. Yes, courage, non. Courage. Tiens, d'ailleurs, j'ai quoi comme beaucoup. Devoir pour demain, bon, faire le dessin. Ah. Maths et sciences, révision. Pas d'école. Non, mais. Mercredi. Mercredi, des tests. Ouais. On croit sûrement. Après, j'ai une compréhension orale à faire pour demain, je crois. Merde. J'ai une expression écrite et un truc de vocabulaire en anglais. Voilà. Moi, j'ai une traduction. Ah, mais j'ai la flemme de la faire. Ça ne me manque pas. Ouais, tu l'avais dit dans le chat tout à l'heure. Ouais, bah oui, mais j'osais même pas parler, tu sais, là, en vocal. Ouais, t'as le droit d'être... Le seul moment où elle parle, c'est pour parler des cours, quand même. J'avoue. Pour te dire au revoir, je vais réviser. Au revoir, je vais réviser. Mais non, mais je vois l'heure, il est 17h, s'il te plaît. Mais il m'en reste, mais je suis trop con. Tiens, d'ailleurs, en fait... Bah ça y est, ils sont partis, parce qu'il y avait la brocante chez moi. Bah, ils sont tous partis. Qui? La brocante, en fait, il y avait je sais jamais si là où j'habite, je dois dire si c'est une ville ou un village. S'il y a plus de 5000 habitants? Aucune idée. 2500, pardon. Les gens de reste, ils essayent d'étudier, mais c'est mort. En fait, surtout qu'en fait, c'est je crois qu'il y a quatre patelins avec le même nom, en fait. Enfin, avec le nom, et juste après, il y a un truc différent. Ah. Donc, je vais appeler le patelin. Tous les patelins, il y avait c'était la brocante du patelin. Ouais, plus ça. Mec. Et je suis même pas allé faire un tour. Enfin, j'aurais peut-être trouvé des consoles. J'ai totalement la flemme de finir ce DM. T'en sens avec ton œil. Loli, quoi? Ce n'est que le début de l'année. Non mais laisse tomber. Meuf, ma première épreuve de bac, c'est en janvier. En janvier? Oui. Ah mais nous en Belgique on a déjà des examens en décembre. Enfin mais en fait... Bac même. Ah oui c'est vrai qu'en Belgique c'est pas pareil. En part que Chicken a dit je m'en vais, je vais travailler, elle est encore là. Quoi? Mais oh c'est quoi? Qu'elle arrive à exploiter. C'est quoi? Bon. On a un sujet qu'elle arrive à exploiter. C'est pas bien de parler des cours. Qui est c'est trop bien de parler des cours. C'est qui a lancé le sujet? C'est lui. Voilà. Mais non. Mais le positif c'est que j'ai guitare demain, tu vois. Donc je fais de la guitare demain. Ça c'est bien que ma guitare en face de moi d'ailleurs. Mais je joue pas là. Moi je fais taekwondo demain, tu vois. Moi je fais stretching. À l'internat, ils nous forcent à faire deux activités par tous les trimestres. Pareil. Et on a un truc comme ça aussi. Et là moi c'est musculation, théâtre. Bah, voilà, c'est bien. Mais nous, on a un UO à prendre à l'université. Je dis pas le contraire, que c'est pas bien, au contraire. Mais c'est juste que... Deux activités, quoi. Bah c'est bien, regarde, moi je fais chorale et stretching. Ouais, mais enfin, en vrai, surtout, faire en gros, mais surtout nous obliger à faire des activités. En vrai, moi au final, si j'aurais choisi, j'aurais choisi chaque jour une activité. Surtout que le lundi, il y a chant. Mardi, musculation. Mercredi... Mais tu les choisis, les activités, quand même? Ouais, on les choisit, mais il les répartit en fonction de la demande. Ah oui. Bah après, tu pourras en prendre une différente à l'au prochain trimestre, je pense, ils t'avantageront sur une que t'as pas faite. Ah bah. C'est déjà choisi. J'ai choisi pour tout le trimestre, mais vu qu'il y a les, vu que j'ai les stages, je vais pas pouvoir beaucoup en profiter. D'accord. Mais franchement, j'ai choisi que les trucs qui me plaisaient, c'est-à-dire... Bah, premier trimestre, musculation théâtre, deuxième trimestre, ça doit être musculation et chant, ça doit être le chant, le club de chant. Mm-hmm. Et dernier trimestre, ça doit être ping-pong natation. Sympa, ça va? Ouais, ça va.
Moi, je sais pas encore pour le second semestre. Pour le premier, ouais, stretching. Stretching, s'il te plaît, c'était le seul horaire où j'avais pas encore de... Enfin, qui restait de libre. Du coup, j'ai pris ça. Je sais même pas c'était quoi. J'ai fait des étirements. Je suis pas souple du tout. Alors, j'ai souffert ma race. Mais la souplesse, ça se développe. Bah oui, ça se développe. Ouais. Mais j'ai toujours eu des problèmes, en fait, avec la souplesse. Genre, je faisais de la danse classique hein, quand j'étais petite. Mais j'ai dû arrêter parce que ça allait me déboîter le... Sinon, ça allait me déboîter le... Le coccyx. Ah oui, d'accord. Faut déboîter le coccyx. Ouais, genre si ça forçait trop en fait. Et du coup. Ouais, alors casser le coccyx, ok, mais déboîter. Ouais, mais je sais plus. Non, mais un truc du genre. Bref, voilà. Je sais plus, tu sais, c'était genre j'avais 6 ans. Et du coup, moi depuis ce temps-là, j'étais en mode non, je veux pas me faire mal. Alors. Écoute, moi j'ai fait de la danse et j'ai la. Bah, c'est que tout ce qui va avec. Hein. Moi j'ai fait du hip-hop, voilà. Oh, c'est sympa. Ouais, en vrai j'ai fait théâtre. Un centre culturel me faisait tester plein de trucs. Je comprends même pas mon énoncé. J'ai fait du classique, j'ai fait du hip-hop, j'ai fait du jazz, du modern jazz. J'ai fait de la danse afro. J'ai fait trop de choses. Quoi? Ah oui, j'ai fait Nike, c'est de la danse africaine. Je fais de la danse africaine, du classique, du hip-hop, de la chorale, pareil. Du piano, de l'anglais. Il y avait des cours d'anglais qui faisaient à mon moment. Waouh. Mais pour la chorale. Ah non, la chorale, on peut, non. Enfin, à l'académie en Belgique, par exemple, je sais pas s'il y a des cours de chant ou cours de ou chorale qui. Par exemple, c'est comme un instrument, tu vois, du coup, tu peux pas prendre. Enfin, il y a un truc qui. Comme ça en Belgique. Enfin, après, je sais pas si en France c'est pareil. Ah, c'est séparé des instruments, enfin, dans le sens. C'est considéré comme un instrument. Ouais, c'est ça, la voix, tu vois, du coup, je peux pas. Bah, c'est pas faux, hein, parce qu'à la base, c'est comme si c'est comme un instrument. Ouais, mais ça me dégoûte, du coup, il faut soit aller dans une autre académie. Enfin, non, il n'y a pas soit, c'est le seul moyen en fait. D'ailleurs, la voix, c'est un instrument à cordes. Salut. Bonjour. Ouais. Pourquoi pas, instrument à cordes, bah ouais. Mais je crois que c'était ça, mais je me rappelle plus, en vrai, c'était un truc que j'avais vu au lycée. Mais je crois que la chorale tu peux, mais le chant c'est différent, ou un truc du style, tu vois, c'est pas, c'est plus. Non, si tu fais la chorale c'est du chant. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait, il y a un problème là. Non, mais c'est pas, il y avait, oui, non, y avait deux cours chance. Avec la voix mais qui étaient différents, je sais plus. Ah, oui, je... attends. C'est chelou. Plus, la chorale c'est quand tu fais avec plusieurs et quand tu fais chant. Ah c'est... ouais, d'accord. Mais bon, moi pour moi, je veux dire, les classes de chant c'est... Ouais, c'est... Chorale, ça, normalement, je crois que je peux faire. Mais chant, c'est comme un instrument. Enfin, c'est plus. C'est plus là, je m'embrouille. Ouais, c'est vrai ça. De toute façon, parce que normalement, ça devrait être dans le même lot. Je sais pas. Quand si en anglais, vous deviez présenter un film ou une série? Ouais. Peut-être. Parce que je viens de recevoir la prof. Bonjour Lucas, est-ce que tu pourrais me faire un résumé en anglais du manga que tu m'avais parlé déjà. Au secours. D'accord. Ça fait de l'entraînement en plus, écoute. Hein. Oui, ça. Mais en gros, je vais parler. Le manga que je vais parler, c'est Phantom Requiem for the Phantom. C'est un manga sur des assassins. Trop bien. Je connais pas. Il y a le mec qui a un don. Ouah. Enfin, pas un don, mais un truc extrêmement développé. Je suis en train de lire mon énoncé, j'ai l'impression de lire du japonais. C'est quoi un énoncé de maths. Mais c'est quoi les énoncés? Oh, moi ça va les maths. Je dis ça comme ça, mais pour le moment ça va trop bien, je comprends. Tu veux que je te fasse Non, ouais, vas-y. Attends, déjà j'ai débrouillé mon téléphone, ça va être une balade. Show and tell. Trop de choses à recorder.
Ah, moi aussi, mais je suis malade, du coup, je peux rien record. Non, mais c'est pour AMV. Bah, moi, j'ai record ce matin. Mais je sens qu'il va falloir que je le refasse. Voilà. Ah, si, j'ai besoin d'un garçon. Pourquoi j'ai pas de. Pourquoi tu m'as pas, dit lui. Quoi? Je suis là, pourquoi tu me. J'ai besoin d'un garçon en plus. Pourquoi tu me. T'as pas pensé. De quoi j'ai fait quoi? De penser à qui? Je sais pas pourquoi, mais je me sens visé d'un coup. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis un garçon. J'ai besoin d'une personne pour un projet pour en passer. Bon, après, j'en ai pensé quoi? Ah, sur Summer Session. Et ouais, Winter Session. Attends, je vais regarder. C'est du Honeyworks. C'est Tokyo Summer Session et Tokyo Session. La 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 la. J'ai hâte de t'entendre dessus. Oh mon dieu. Je vais faire une voix de petite couillonne qui est en mode oh non, mais t'as pas remarqué que je m'étais coupé les cheveux, putain. De 15 cm, attends, tu vois. De 15 cm. J'ai mon cheveu, tu vois. Non mais je comprends pas comment t'arrives pas à remarquer ça, non mais franchement, t'abuses. La version, la session 6. Hein? Ouais, c'est You 6. Et mais, je disais que je partais, mais est-ce que je pars vraiment là? Je crois que c'est bon. Hein. Il va falloir chanter en quoi? En français ou en japonais? En français. Bon ok, ça devrait aller, parce qu'on va dire que j'ai encore du mal avec vous. Ça va français. À part pour certaines musiques. Non, c'est en FR. Je préfère Tokyo Winter. Voilà. Je l'ai pas bien écouté encore, moi, Tokyo Winter. Faudrait que je revienne. Avec une amie à la base, on devait le faire, mais ça a été abandonné. Parce que bah, justement, elle me répond plus. Et donc, je sais pas du tout ce qu'il lui est. Elle me répond plus. C'est un fantôme. Elle est morte. Elle est morte. Quelqu'un là. Ouais. Youpi. Oh, j'ai une réunion. J'ai pas compris. Mais Mikaya, si tu veux, je veux bien. Bah voilà. Oui, bah moi je veux bien. J'ai besoin d'une personne. Du coup, tu seras mon le gars qui arrive pas à remarquer que je me suis coupé les cheveux de 15 cm. Bah attends. Ouais, bah attends, j'ai reçu une demande d'amis, je me demande bien qui c'est. Bonsoir. 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 Je n'ai Bonsoir, pas. Bonsoir, comment allez-vous? Qu'est-ce donc? C'est ma voix. Pourquoi il a pris une voix virile dans le coup? Ah, mais c'est Akano! Mais ça fait longtemps, Akano! Hein? Salut! Alors, En même temps, c'est juste que ça fait longtemps que je suis pas active ici. Bah, en même temps, j'ai pratiquement jamais parlé à l'époque, donc. J'avoue. Ah oui, c'est vrai en plus. C'est vrai que ça fait longtemps. C'est quoi cette voix suave? J'ai une nouvelle demande d'amis. J'avoue, en fait, Akano, sinon j'aime beaucoup trop ta voix. J'aime ta voix. Pourquoi t'as vu la voix suave? Ma voix. Je sais pas, je la trouve très belle ta voix. Et en fait, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les voix des gens. Et donc, du coup, voilà. Écoute. Attends, mais qui me parle? C'est Shira. Bonjour. Ah, d'accord. J'ai pas suivi, mais oui, c'est drôle. Trop drôle, oh mon dieu. Sinon, vous faites quoi, du coup? Je dessine en live, du coup. Et moi, je suis en train de... Personne. Tout le monde parle en même temps, j'ai rien compris. Moi, je... Les devoirs, alors? Vous les faites quand? C'est quoi, les devoirs? Ça me bouffe. Moi, ils sont déjà faits, moi. Je ne vais plus à l'école. Que des mauvais élèves, mon dieu. Alors, t'as vu ça? Mikaya, par contre, je te préviens. Ouais. J'ai jamais. Je sais que c'est une grosse connerie. Dieu. Mon micro est assez fort. En fait, sur ma chaîne, oui, c'est assez fort. En gros, okay. Les premiers musiques, c'est de la merde, hein, je te préviens. Enfin, en même temps, il y en a que 4, donc. Ouais, c'est pas grave, j'irai voir dans les collabs. Okay. La 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 la. Ça fait quoi? La 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 la. Ça fait un moment parce que genre déjà moi j'ai pas trop rendu ce serve actif cet été.
Donc commande de tout Le l'été. serveur était mort. Ah j'espère ouais, juste que Cameron il va pas me faire chier parce que ce sera pas Miss Boy, parce que le truc c'est que j'en vais envoyer un truc, mais Boy va. Vous avez des nouvelles de Nylon Nylon, j'ai déjà. Ouais, mais en fait, il y en a un autre serveur du Mao ou Takorus, en fait, genre serveur public. C'est un chorus que je gère avec Ayumi et Yuki et Ribbon. Et du coup, en fait, en gros, on a un serveur public et il y a pas mal de personnes qui sont venues dessus. Et donc, du coup, des fois, elles sont plus actives là-bas que. D'accord, je vois. Voilà. Oh mon dieu! Oh non, mon truc il a encore bugué! Mais pourquoi il bug? Je comprends pas. Ah là là, Shira toujours en train de dessiner. Toujours en train de dessiner, mais je gagne des sous! Je gagne de l'argent! Mikaela, j'ai un peu de mal avec les. Attends, tu fais des commissions? Oui, je fais des commissions. Il y a des gros changements de ton dans la voix. Et je fais du painting maintenant. Waouh! Là, je suis en train d'en faire justement. Paint! Et tu vas exposer tes dessins aux conventions ou pas? Ouais, normalement, mais faut que je voie avec Ayu pour re-réserver à la Mangazur l'année prochaine. À quelle convention? Mangazur à Toulon. Parce que j'ai déjà fait l'an dernier avec Ayu, c'était vachement bien et on aimerait bien le refaire, mais. Et tu prévois d'aller à l'Art to Play ou pas par hasard? C'est où? Et quand? C'est à Nantes en décembre. Ouais, non, je pense pas. En décembre, je vais essayer de. Mais de toute façon, en fait, c'est que là, j'ai les cours et en plus, je vais quitter Auchan, là où je travaille en ce moment, entre travail étudiant. Tu travailles Auchan, ok. Voilà. Et je vais quitter Auchan pour essayer de passer mon BAFA, en fait. Alors, du coup, c'est pour ça que ça risque d'être méga compliqué pour moi cette année. Attends, BAFA, chez vous, c'est pas le truc d'animateur? Si, c'est ça, parce qu'en fait, j'aimerais bien être professeur des écoles. Alors, du coup, ça serait une première approche, tu vois. Du professeur des écoles, dans quelle section? Primaire ou maternelle, une des deux, faut que je me décide encore. C'est une idée que j'ai eue cette année, tu vois. En fait, en gros, moi, j'ai jamais eu vraiment d'idée fixe de ce que je voulais faire plus tard. Enfin, j'ai eu des idées, mais... Du coup, tu fais quelles études, là? Là, je suis en licence d'anglais. Ah, sur Avignon. D'accord. Voilà. Bon, bah, bonne chance pour devenir maître des écoles. Merci. Il paraît que maintenant, il faut avoir une licence pour devenir maître des écoles. Ouais, faut faire 5 ans. Faut faire la licence et plus 2 ans de trucs spécial. Le master. Bah, c'est un genre de master, mais je crois que tu fais une année spécifique et après tu fais une année en alternance un peu avec une école et tout. Donc t'es stagiaire. Voilà. Puis ma mère, elle est là-dedans. Enfin, elle est ATSEM, alors du coup, elle a des potes là-dedans. Du coup, tu vois, elle va me dire « Ouais, si elle peut aller des fois dans les classes pour essayer, pour voir ce que ça fait. » Elle va me pistonner. Non, en fait, un petit peu, elle est juste ATSEM, mais... Attends, commission... Désolé, Loli, mais je peux pas t'aider. Attends, déjà, je vais poser une question conne. Une tonne, c'est combien de kilos, déjà? Oh là 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 là. Les gens... J'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Des fois, ça me le fait, attends, mais c'est que mon clavier, il est. Enfin, je veux dire, je peux plus cliquer sur une seule lettre, sinon ça fait des raccourcis. En fait, ça m'écrit pas des lettres, ça m'ouvre des trucs, des pages, des machins. Peut-être que t'as une touche, peut-être le contrôle ou une autre touche sont enfoncées. Ça ne t'a pas un truc récent? Bah, il y a le dernier truc que je suis en train de faire, mais qui a encore des problèmes. Oh, ça remarche! C'est bon. J'ai réappuyé sur toutes les touches, contrôle et tout. Tu peux et c'est m'envoyer? Bon. Merci. Attends. Il y a encore des problèmes de son qu'il faut régler. Je peux essayer de t'aider si tu veux. Il y a un moment, il y a ma voix qui est trop forte par rapport à la musique et d'un coup elle est basse. Il faut que je règle ça. Ouais, ça, c'est. Faut juste que tu règles l'amplification. Ça. Ouais, ça, il faut juste que je règle l'amplification et ça ira. Ouais, alors tu l'as envoyé où? Je te l'envoie en MP. Ouais. Tain, 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 tain. Allez, maintenant on va faire l'ombre du yeux. T'y arrives, Loli? Hein? Je t'ai demandé de m'envoyer ton exo. Qui? Ah, c'est Akano. Ah, ok. Non, j'ai pas entendu, pardon, je t'envoie ça. Ah, bah, no problème, t'inquiète. Ah mais Loli elle bug donc Je vais essayer de t'aider, je vois. Mais oui, c'est Newton c'est égal à 1000 kilos, ouais. Nice. Ouais. T'es trop forte. Là, y a mon discord qui bug, au secours.
Bug. J'aurais pas dû prendre spé maths. Moi j'avais pris spé, j'avais pris spé physique chimie. Là. J'ai pris info et maths. Donc, du coup, j'ai de l'informatique. Mon Dieu, il va falloir que tu rectifies ce petit truc de. Moi j'ai pris un truc qui a oui, aucun sens. Tu fais les oreilles. D'accord. Alors que tu rectifies. Aucun sens. Ouais. Voilà, que tu rectifies parce que ça m'a tué les oreilles. Hein. Désolé. Et faut que tu te remettes en rythme sur la sur le. Kazoo. Sur ouais, l'instru. Oh mon Dieu. Ouais, faut que tu te remettes en rythme sur le kazoo. Téléphone. C'est qui a un téléphone? C'est moi? Ah non. C'est... Moi j'ai un téléphone prêt, mais je. C'est pas moi. Je vois pas de quoi vous parlez. Donc là c'est pas moi parce que c'est un de vous deux alors. Ouais, moi, il faut je vais te demander de faire un truc, c'est que je vais t'envoyer. Oh, vous êtes toujours dans le champ, tout ça, d'après ce que je vois. Oui. Moi, oui, mais vu que ma chaîne elle a été oui, supprimée, j'ai dû recommencer de zéro, j'adore. Ah bon? Pourquoi? C'est triste, hein. Parce que YouTube, c'est une pute. Ah oui, tu ouais. t'es fait strike. Ouais. Bah, YouTube, non, même pas. YouTube l'a accusé non, c'est... de spam et arnaque. Ouais, c'est ça. Ah, tu t'es fait report? En fait, sur un commentaire, à ce qui paraît, je me serais fait report, mais YouTube n'a pas regardé le commentaire avant de supprimer ma chaîne. C'est des génies, non? Alors, je vais te demander de faire ce qu'il y a la preview, donc tu peux t'enregistrer. Et en fait, j'aimerais que tu essayes de faire les parties bleues. Les parties bleues? Attends, je vais regarder. Ouais, tu m'enverras ça. Tu veux que je t'envoie quand? Juste pour savoir. Quand tu peux. Ouais, parce qu'à un moment donné, ce sera que la semaine prochaine où je pourrai le faire. Non, mais y'a pas de soucis. Non, mais y'a pas de soucis. C'est quand tu peux. Akano, c'est envoyé. C'est que. Alors, aussi, c'est que, c'est que du chant ou y'a aussi une partie. Ils sont pas dans l'ordre. C'est que du chant. Oh, okay. Attends, mais dis-moi, t'es en seconde? Non, je suis en première. Anne première. C'est tes exos de première, ça? Ouais, ça a régressé le niveau. Hein. Attends. T'as régressé, mais t'es foutu de m'aider donc. Attends. Chut, exactement. Attends, t'es en première et. Non, mais moi. Je suis en première spé mat en plus. Je suis en premier pro moi, donc en première pro, donc moi c'est pire. Hein. Est-ce que tu connais le système de double équation? Oui, mais je sais pas m'en servir. Avec les Y et les X. Là, normalement, tu peux t'en servir pour. Les ouais, systèmes, c'est le truc que j'ai eu 10 ans à comprendre et une fois que je savais le faire, j'en foutais de partout des systèmes. Attends, t'es en train d'apprendre la forme canonique? Oui. Oula, mais attends, mais t'es toujours sur les fonctions infinies, mais c'est. Mais attends, mais. Déjà, il a fait le programme. Il a tu fait désespères, programme tu désespères. C'est un programme de seconde, ça, non? De quoi? Résoudre dans R l'inéquation, mais ça, tu peux faire en. Moi, système, c'est en troisième, hein. Enfin en Belgique. Hein. En troisième? Ouais, non, votre troisième c'est la même que la nôtre, je crois, niveau 3. C'est votre seconde. La troisième, nous, c'est la quatrième année de collège. C'est l'inverse en Belgique. Coucou Lala! Yo! C'est lui Lala. Salut Lala. Bon. Ah, mais Akana, t'as pris les exos dans le désordre. Coucou Lala. Par le 3, là, mais attends, mais je veux pas l'ordre de tes exos en fait. Bon, bisous tout le monde. Mais c'est écrit au-dessus. La dernière photo, c'est le non. D'accord. La dernière photo, c'est le exercice 1. Les exercices de maths. Et les exercices de maths, c'est Loli, elle les a envoyés en PV à Kano, je crois. Je suis en galère. Ah, ok. Envoie-moi les exercices de maths pour que je vois le niveau. Non mais. Mais arrêtez de me juger. Mais. Elle sait, je suis pire, je suis en pro, donc moi les exercices de maths sont encore plus faciles, hein. Moi, je suis en licence d'anglais, alors j'ai pas de maths. Non, mais moi, je suis en terminale STD2, alors les maths, merci. Putain, ça me rappelle quand je suis arrivée en licence d'anglais pour faire de la chimie. On m'a foutu des maths. J'ai eu 3 à mon premier contrôle et après, j'ai fait bon, bah, je vais changer de licence. Voilà, c'était ma vie. Et la chimie, quand tu fais de la chimie, il y a forcément des maths. Bah ouais, mais non, mais c'était des maths trop chiants comme on faisait au lycée. Moi, j'étais en mode non. C'est normal. Bah non, c'est pas normal dans ma tête. En plus, la prof, elle savait pas expliquer, elle avait un accent dégueulasse. Attends, moi, Loli, est-ce que t'as appris les... une prof chinoise. Est-ce que t'as appris les guitares? Oui. Oh, je vais. Ah, ciao, bisous. Salut. Ciao. À chaque fois, elle pop là. T'as appris les deltas? Oui, j'ai appris les deltas. Après, on se trouve que j'ai appris, est-ce que j'utilise Est-ce que tu as compris?
Quoi? Est-ce que t'as compris? Mais lequel de Delta? Parce qu'on en a vu deux. Ok, ok. Ah, c'est problématique. Non mais meuf, tu sais que j'ai appelé à l'aide un pote qui est même pas dans ma classe. Tu peux m'expliquer? Et t'as compris ou pas le truc des Delta, tout ça? Mais Delta c'est 4. Non, B2 moins 4AC. C'est exactement ça, bien joué, yes. Si, ça j'ai compris. Celui-là, c'est le seul truc que j'ai compris d'ailleurs. Bon, moi je vais vous laisser, je vais apprendre la musique. Hein. Va apprendre ta musique. Bah, c'est l'un des trucs les plus compliqués. Mais à c'est plus cool. Bah, c'est le seul truc que j'ai compris. Mais en fait, j'ai réussi à le résoudre, mais j'ai pas compris pourquoi on s'en sert. Tu vois. Ah, bah ça c'est. Mais non, mais mon prof il est bizarre parce qu'il nous a sorti la formule et 2 heures après, c'est-à-dire la semaine d'après, il nous a expliqué pourquoi. Et j'ai pas compris du coup pourquoi. Non, mais les profs de maths, quand ils essaient d'expliquer pourquoi. Ah, il est parti ? Bah, c'est compliqué. Oui, il est parti apprendre la chanson, il a dit. Du coup, je me sens très conne. Parce que tu sais que t'es genre le troisième à me dire, mais c'est simple, faut utiliser Delta, faut faire ça. J'en dis. Je suis sûr, mes potes, je les regarde, je fais ouais, c'est simple pour toi. Arrête! Qu'est-ce que je fous en science même de base, putain? Maths, physique, anglais. Toi, tu veux faire quoi d'origine? Maths, physique, anglais. Pourquoi? Tu veux faire quoi d'origine? Bah, justement, je sais pas. Voilà. Ah, bien. Une personne qui va dans les trucs S exprès parce que ça va ça fera des débouchés. Les parents. Il n'y a plus de filière maintenant, il n'y a plus de filière. Merci Flavie, tu m'as totalement comprise. Non mais moi, mes parents, ils étaient en mode. Non mais ouais. Et quand j'ai dit ouais, j'aimerais bien partir en licence d'art quand ça allait pas avec ma licence de chimie, vous quoi? Non. Déjà, ça les a choqués quand je suis partie en anglais. Alors. C'est un peu chiant. En fait, c'est dans la tête des gens, dans la tête de la plupart des gens, quand tu fais de la littérature, c'est foutu pour toi, quoi. Et c'est très chiant. Non, mais c'est pas grave. Bah, après, tu vas dans ma licence, quand tu vois mes potes qui sont même pas prêts à aller en cours parce qu'ils sont pas encore inscrits à l'université alors qu'on est le 16. Enfin, on était le 16 lorsqu'on a commencé les cours, ils étaient pas inscrits. Je fais oui, bon, c'est quand même des branleurs, certains, mais. C'est ce qui décrédibilise un petit peu ces. Comment dire, ces filières. Ouais, mais c'est triste, d'où? Oui, c'est triste. Parce que moi, de base, je voulais pas faire maths physique. Hein. Attends. Il y a un problème, là, dans un exercice. Lequel? Regarde. Oui. C'est marqué, la taille des réservoirs permet de prendre au maximum 254 tonnes de carburant. On est d'accord? Et là, ça nous marque, si les réservoirs de carburant sont pleins, quelle est la masse maximale de la cargaison? Bah oui. C'est marqué au-dessus. Mais non, parce que ils te disent que tu peux transporter que 575. Si tu mets 254 tonnes, il te reste combien? Il te reste pas 102. Mais ça, je l'ai fait, c'est la suite. C'est la suite, ok. J'ai fait le A, et j'ai pas fait le reste. Ah d'accord, ok. Je comprends pas, je suis paumée. Déjà, la manière dont c'est écrit, j'arrive pas à comprendre. Et Shira, je sais pas si t'entends la musique, mais il y a que Rine qui chante depuis tout à l'heure. J'entends juste des sons, mais je n'entends pas de musique. Bah, j'ai mis la playlist de Rin, en fait. Oui, avec Rin. Rin, c'est mon bébé. Je l'aime d'amour. Ouais, je sais. Ah là là, bande de weebou. Laisse-moi être une weebou dans ma vie. Carmen. Je suis senti. Putain, il y a Théo depuis tout à l'heure qui parle dans le truc, mais j'avais même pas vu. Milk. J'ai un truc de prévu. Bon, je vais devoir vous laisser. Bonsoir. Bah, laisse-nous alors. Je vous dis à la prochaine, sans doute à jamais, mais bon, bref, on verra. Ah, ça serait dommage. On verra parce que ça fait plusieurs mois que je suis plus venu quand même, donc presque un an. Aïe. Allez, mais bon. Ciao. Allez, salut. Yes. Des bisous. La bise. Salut. Allez, go, continue de galérer. En fait, j'arrive à répondre genre en faisant des phrases, mais pas en donnant des trucs mathématiques. Tu fais quoi en maths là?
La forme canonique. C'est quoi cette voix trop gentille? Putain, c'est toi, Milk. T'as une voix trop mignonne. Merci. Je veux te faire un câlin. Oh mon dieu, ta voix, elle est trop mignonne. C'est parce que je crie pas, mais le reste du temps, quand je crie, bah, c'est moins chou. N'empêche que ta voix, elle est mignonne quand même. C'est bien parce que moi, on me dira jamais ça. Bah, moi non plus, hein. C'est bien le seul truc qu'on me dira jamais. T'es, ah, t'es une voix mignonne. Même si on me le dirait, je ferais, non. Je te comprends. Moi, on me lit anglais. Voilà. Ah là là. J'ai une voix de Yankee. Tu me donnes une voix, tu vois, chanter une voix de psychopathe, ça passe bien. Moi en plus, je suis malade. Mais c'est triste, faut pas dire ça. Vous êtes jolie voix en plus. Pihi. Ça dépend sur quoi. Bah oui. En fait, tu sais, ce moment frustrant parce que je sais comment répondre, mais je sais pas comment l'écrire. Vas-y, dis-moi, peut-être que je peux répéter. Ouais, pareil, bah je fais ça en ce moment, donc peut-être que je peux aider. En fait, Milk, t'as la voix un peu de Lala, mais peut-être en un poil plus. Un poil moins énergique. Lala Mero-chan, là. Oui, oui, je vois qui ouais. C'est. Mais je sais pas si j'ai. La même voix parlée, en tout cas, je trouve. Vous avez un peu le même timbre de voix parlée. Si la masse, ah, c'est ça. Cool, du coup. Bah oui. Oui, mais comment je. J'en peux plus, j'ai 18 édits à faire. Ah. C'est long. Si long. Du coup, Sheila, t'avais vu Design. Alors, ça a coupé à t'avais vu. Et. Avec celle qui doit faire les designs. Oui. Vous aviez parlé de. Bah, du coup, elle fait tout comme je fais le mix et que j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment. Du coup, elle fait tout. Ouais, elle a dit qu'il y avait pas de problème et tout. Alors, du coup, j'ai fait bon, bah, si ça te dérange pas. Et voilà. Elle a dit qu'elle fait tout normalement. Par contre, je sais pas du coup qui c'est qui va faire le vidéo et je pense que ça va être moi. Donc, ça me fait penser que faudrait peut-être que je finisse la vidéo. Au secours, j'étais en train de lire le chat. J'ai vu un si long, si dur. J'ai sorti un comme ma bite. Ah bah bien. Bonjour, je m'appelle Shira. J'ai. Non, je m'appelle pas Shira. Enfin, je suis Shira. Shira. Oui. Est-ce que tu peux me faire gagner du temps et m'envoyer les paroles de Je te donne, s'il te plaît. Je te donne. Attends, je te la chante. Je te donne. Non, mais je vais pas noter pendant que tu chantes. I can give you a voice in my ancestral pride. The way to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way. It helps me to go on from day to day. C'est dégueulasse. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre thème. Putain, en plus ce truc, je l'ai mixé direct et tout. Oh, j'ai voulu te l'envoyer, ça m'a mis. Ton message est trop long. Tu dois raccourcir ton message pour le confort des autres. T'as jamais eu ça de la part de Discord? Non. Bah, attends, ah bon, moi ça m'arrive H24. Du coup. Je vais trop le pavé. Attends, je te l'envoie en la deux. La masse maximale au décollage. Mais la masse de quoi? Ouh, je te donne tout ce que vous voulez, ce que je suis, mettons mes défauts. Voilà. Normalement, c'est bon. Merci. Mon prof de maths, il est bizarre. Il m'a dit qu'on n'aurait jamais de devoir. What the fuck? Un prof de maths qui dit ça. Mais moi, il m'a tué parce qu'il a fait « Je vais vous donner des DM, je les noterai. »
Mais ils compteront pas dans la moyenne, parce que je trouve ça inutile. What? Mais bien sûr. Non mais genre, en fait, il a dit... Est-ce que c'est pas du tout te faire pire? Il a dit ça pour éviter que tout le monde se... Moi, bon, je vais continuer mon dessin. Ça sert à rien. Alors... Clairement. Oh. C'est pour ça que j'ai la flemme de le finir. Je me dis au pire, de toute façon, il va faire quoi? Je te donne, donne ce que je suis. J'ai envie d'être guérie, je veux rechanter. J'en ai marre, pardon. Moi, j'ai enregistré plein de trucs, mais j'ai rien mixé. Parce que j'ai la flemme de faire les arts. Oh, c'est chiant. Ah. C'est cool, hein. Maman, en ce moment, j'enregistre rien. À chaque fois, j'enregistre des trucs. Putain, merde, c'est quoi mon... Limite, la quantité. Ils savent rien dire. Ah, tu as mis Kokoro. Ouais. Nanana, no moto, l'été, itano, fushiki, Kokoro. Cette phrase veut rien dire, putain. C'est mon prof, oh, putain, qui veut rien dire. Kokoro, fushiki, Kokoro, mugen. Manana no sunai, la la la. Faut que je la fasse celle-là. Parce que le Project Mirai il est trop mignon. Hey toi avec tes vidéos de Project Mirai là. Déjà j'utilise jamais Project Mirai parce que de base je trouve le modèle moche. Mais ils font des vrais PV sur Project Mirai. Pourquoi c'est quoi, en quoi c'est différent de... Project Mirai c'est avec les chibis. Ah oui, c'est avec les chibis, j'avais oublié. C'est quoi Project Mirai? C'est un des jeux sur DS. Avec, tu sais, les vocaloïdes. Bah, je ne suis pas les vocaloïdes. Oups. Ouais, mais c'est en gros, c'est les jeux de rythme. Je pense, t'as déjà vu dû voir des vidéos. Je sais pas. Peut-être. Ah! Fushiki. Bah si t'as regardé, rien que si tu regardes les vidéos du Mao, t'as déjà vu des vidéos. Vu qu'à chaque fois je les utilise. À chaque, tu sais, on a les animateurs puis on a Loli. Ouais, je te fous ça sur la vidéo, t'inquiète. Mais arrête, parce qu'à chaque fois je me fais chier à trouver les personnages que vous voulez en plus. Moi je veux Rin, c'est simple. Bah non, parce que Rin chante pas tout. Bah Rin, si, elle doit tout chanter. Rin, elle est bonne. Pour Senbon Sakura, j'ai galéré à trouver Rin. Bah je m'en fous, Rin, elle est bonne. Je l'ai trouvé, j'étais contente. En plus moi j'ai un cosplay de Rin, Senbon Sakura. Senbon Sakura yori minagire kimi no koe mo todokanai yo. Anko wa utake. Attends, je vais la mettre. Je fais mes devoirs. Non, moi je l'ai fait à moitié. Ça me casse les couilles les matchs, je vais faire du français. Alan, il a dit, il venait. Alan, il est toujours pas là. Alan, il doit donc mourir. Oui, oups. Alan, il va mourir. Même s'il m'a dit je t'aime. Mais tout le monde t'aime, Chira. Oui, non. Ok. Attends, j'ai pas déjà fait mes devoirs quand même. Ce serait vachement chelou. Inchako gologashi agriota. Aishibi kanjo se wo ashiru no kete. Toho sei so nano sono. Shonen shoujo senku muso wa. Okiyo no mani nani. Senbon sakura yoru ni magire. Kimi no koe mo. Faudrait qu'on ressorte ce duo aussi, non? Faudrait que je rechante en fait, parce que je crois que j'ai tout perdu. Bah, du coup, faut qu'on rechante aussi, parce que je me rappelle que je l'avais record, j'étais malade et tout. Je suis sous le choc, j'ai fait mes devoirs la semaine dernière. Ce choc, c'est typiquement le truc que je ferais jamais. Mais pareil, mais d'habitude je fais mes devoirs genre le matin même en fait, donc bon. Je suis pareil.
Quito, saigo, adai, danen. Là, je peux chanter qu'avec une voix de daronne, en fait. Mais moi j'aime beaucoup trop la voix de Rin. Mais en fait, en général, quand ils sont tunes, la manière dont ils sont tunes, Rin elle est plus cute que Miku. Oui, bah regarde moi, dans Cutie mais... Angel, je préfère la voix de Rin. Ah mais j'aime trop cette chanson là. J'avoue que moi Mitchiem ça dépend des chansons, mais j'ai trop aimé Cutie Angel. J'ai craqué déjà le clip, il est génial. Pourquoi Len il se prend un coup de pied? Parce que il protège Rin. Je confonds les deux versions en fait. Du coup, je dis pas les bonnes paroles. Moi, je connais pas les paroles tout court. Mais moi, j'ai appris l'autre. Vu qu'à la base, je devais faire un duo avec Shira, t'as vu, j'ai appris l'autre. Non, je vois pas de quoi tu parles. Jigsaw. Bah je t'ai envoyé les sketchs. Hein. Ah. J'ai pas vu. T'as oublié. Je crois que j'ai si pas vu. Si tu les as vus. Si tu les as vus parce que j'ai pas vu. J'ai pas vu. Je vois pas de quoi tu parles. Cette chanson elle est trop aiguë pour tout le monde. La chanson qui passe. C'est laquelle? Kaigara no Ita. Je connais pas. Quasi personne connaît ce compositeur et c'est trop triste. Moi non plus. Mais c'est vraiment un problème de pas avoir la voix assez aiguë. Bah surtout pour les chansons de type J-pop. Mais je sais, j'ai pas du tout le range J-pop perso. J'ai la voix bien plus grave que ça. Moi je l'avais et pas à l'origine mais... Ouais bah forcément ça se développe mais ouais. Du coup je me tue la voix à chaque fois. C'est génial. Pas bien. Ouais, mal, mal. Mais toi, t'avais chanté ou pas dans Ghost Rule? Je me souviens plus. Ouais. Ouais. Mais du coup, j'avais chanté en voix de tête toute la partie. Ah, mais moi, j'avais gueulé aussi, hein, genre. Moi. Genre, vraiment, si je la faisais pas en voix de tête, j'étais en train de décéder, donc j'ai fait bon, bah. Allez! Alors que les chansons genre de J-pop qui sont faites pour les gars, c'est mon range. Et du coup, vraiment, à chaque fois, je suis en mode ah, ok. J'espère juste que je sature pas par contre. Non, tu me pètes juste les oreilles parce que c'est trop égal. Bah, vous parlez de range depuis tout à l'heure aussi. C'est toi qui a commencé à partir à dire ouais, cette chanson c'est... est trop aiguë. Mais c'est vrai parce que je l'ai envoyé à un groupe de chant genre et ils ont fait vas-y on la chante et au final ils ont essayé de la chanter, tout le monde m'a fait ah non c'est pas possible en fait. J'étais la seule con à y arriver, je me suis dit ah. Bah c'est pas con, ça veut dire que t'as un bon range, c'est cool. Bah je suis juste plus aiguë que toute la commu, mais du coup je peux pas aller dans les graves. Ah ça c'est triste. Moi je vais très... Moi je te très fais des bobby des babi den bet des bonnes takala imawa. Soletona konananana sanzanto tantan koto kurashite. C'est une chanson que j'avais réussi à chanter, mais genre j'avais jamais chanté grave de ma vie. Je suis en mode ah. Shira. Oui. C'est, je crois, pour, quand t'as sorti SOS. Oui. Ah oui. J'ai dû le montrer à toute ma famille. Can you hear me SOS? Je suis allée voir les gens apparents en mode regarde ma copine, elle est trop forte. C'est trop mignon. C'est choupiné. En plus j'avais déjà rencontré ton papa et ta maman, je crois, je sais plus si je l'avais vu aussi.
Non, c'était... Bah, c'était qui nous avait ramené lorsque j'étais... C'était mon père, toujours. Il n'y avait que ton père. Ouais. Je... ouais. Mais du coup, oui. Et je l'ai montré à ma cousine, à ma soeur, à ma mère. Je l'ai partagé sur, un ser... sur deux serveurs. T'as bien vu que t'avais des commentaires anglais qui ont popé comme ça? Oui. Et ben voilà. Je suis partie, je me dis, où est-ce que je peux partager ça parce que c'est trop beau. Avec la jolie vidéo de Lauréa que j'ai filmée sur le fleuve qui habite à côté de chez moi. Le fleuve qui habite à côté de chez moi. Oui, le fleuve habite à côté de chez moi. Et j'ai partagé des amis fleuve à côté de chez moi. J'avais partagé Lost One Sweeping aussi. Je sais pas pourquoi j'avais fait une fixette dessus. Mais en même temps, t'as fait le meilleur remix qui soit. Ah, mais j'ai trop aimé ce remix. J'ai fait putain, faut que je le fasse, mais par contre, va falloir que je gueule. Voilà. Allô ? Alan ! Pourquoi j'étais mute ? Qui c'est qui m'avait mute ? Oh, bande de salaud ! Tu te calmes déjà ? Non, mais je suis arrivée, j'ai vu que j'étais mute. J'ai pas par contre, t'es trop fort, soir. Putain, ferme ta bouche. Attends, pardon. Non, mais pardon, non. Je t'ai baissé, pardon, Alan. Je t'ai baissé à 97%. C'est violent. Salut. En fait, je déchaîne toute ma haine que j'ai pas déchaînée sur les clients. Sur qui ? Sur les clients. Ouais, si tu regardes la rediff du live, un moment, tu vas voir qu'elle parle que de ça. Pendant 20 minutes, elle ignore tous les gens qui viennent et qui repartent de la... Oui. Elle parle que de ça. Fait n'importe quoi avec l'ombrage des cheveux, what the fuck. Bon, on va. Je sais plus où j'ai mis l'art du summer event. Là. Nous non plus. On sait pas non plus. Je sais plus où est-ce que. Non mais. En fait, il y avait un doc et tout. J'ai perdu le. Ça, c'est juste parce que t'es très douée. Mais en plus, j'ai... triste parce que c'est mon OC préféré, c'était un... Oh maman... Ouais, je sais pas comment vous avez réparti, mais Sayumi s'est retrouvée à décider de partir. Pour ? Bah pour le... la récompense. Ah oui, la récompense. Mais on s'était réparti en mode genre elle avait pris certains personnages et l'une faisait le line, l'une faisait la colo et l'une faisait le sketch. Bah c'était voilà. Ayumi qui a sketch le mien, ouais. Et je sais plus qui c'est. Ah bon, c'est pas moi qui ai sketch le tien ? Non, pas ah celui-là ouais. En tout cas. Je sais pas alors. Vous êtes fort vous aussi. Là. C'est que maintenant que tu réalises. Bah ouais. Il y a eu le temps de... C'est vrai, elles ont commencé à avoir mal et puis je me suis dit, il y a un problème. Alan, c'est quand qu'on fait un duo vraiment un jour? Ça va être dur. Pendant 2 ans, ça va être chaud à part les vacances. Mais... Putain, mais. Pendant 2 ans bah, on devait faire Yellow. Mais... Bah, moi en vrai, je peux enregistrer facilement, mais c'est toi. Tu m'as rien dit sur la partition. Mais je t'ai dit, moi c'est bon, hein, je me suis entraînée et tout, tu. Celle que j'ai fait ? Ouais. Pire balai. Tu m'as même pas dit... Je crois que j'ai juste les yellow, j'avais dit on les fait ensemble à la limite. Et ouais. Après, bah, on peut balai couilles, c'est bon. Ok. Bah... Ouais. Quand je pourrai, on le fera. Quand tu pourras. Là. Bah ouais, je suis... D'ailleurs, j'ai une pote à mon boulot, elle est de Nîmes aussi, et du coup tous les week-ends elle vient travailler au champ à Avignon. Chaud quand même. C'est joli Avignon comme ville. Oui, c'est joli Avignon comme ville. Venez à Avignon, venez me voir. J'y vais tous les ans pour le festival de théâtre. Bah écoute, si un jour tu restes un petit peu, et bah je passerai te faire coucou. Bah écoute, cet été, de toutes les façons, j'y vais vraiment tous les ans. Ça fait 10 ans que j'y vais là. Bah voilà, écoute. À voir.
Moi, je suis là tout le temps aussi, hein, donc. Ok. Comme j'habite à Orange. C'est vraiment bien comme nom de ville. Attends, j'habite même pas dans Orange, hein. Je dis Orange parce que c'est rigolo, mais moi j'habite dans le bled paumé d'à côté. Alan peut en faire. C'est vraiment bizarre, c'est spécial comme endroit. Hein. Et laisse-moi ma petite bourgade tranquille. Non, mais je sais pas, c'est plat et puis t'as des champs, enfin des champs plats. Genre, c'est mais c'est des vignes, débile. Oui, mais moi aussi j'ai des vignes, mais je sais pas, c'est spécial de ton côté. Arrête, ma ville, elle est bien. Surtout le mini-centre commercial, tu sais, en dehors d'Orange. Ah, attends, on est allé au centre commercial ? Non, mais Leclerc, non ? Non, j'ai pas de Leclerc, moi j'ai Carrefour. Ah oui, le Carrefour ! Carrefour, alors. Oui, c'est genre, c'est bizarre, tu sais, t'as Orange à côté, puis t'as oui, ça. Oui, oui, t'as ça. Non, mais le coulé, il est mal placé, genre, comme centre. Et puis, t'as pas vu, en fait, mais genre, t'as un autre centre commercial collé à ce centre commercial. Il y a un écho depuis tout à l'heure, je sais pas d'où il vient. Oui, je sais pas non plus. C'est vrai. Ça doit être moi. Ah. C'est Alan qui fait chier, pardon, je rigole. Je dis c'est Alan qui fait chier, beau, mais c'est, beau, quand même, c'est quand même moi qui me suis trompée de gare et qui l'ai laissé poireauter pendant trois quarts d'heure. Oh mais non. Tu t'es trompée alors, de quoi? De gare. Ah d'accord. Ça n'a pas beaucoup marqué. Mais en plus il avait pas de téléphone, alors je pouvais pas le joindre. Ah oui, ah oui si. Ah mais j'avais pas compris ce que tu disais. La gare. Oui, merci hein, ouais, ça m'a marqué. Bah moi aussi ça m'a marqué, t'avais moi qui était presque en mode putain non, Alan le pauvre, je peux pas le contacter. Puis t'avais Hugo à côté qui était en mode, bon t'inquiète, on va changer de gare, c'est pas grave. Mais moi j'étais en mode, y'a un problème. Oui, y'a un problème. En fait, mais c'est parce qu'à Avignon, il y a deux gares. T'as la gare TGV et la gare Centre. Et en fait, dans les billets que j'avais montrés à Alan, j'étais restée sur la gare TGV. Et en fait, lui, il a pris la gare Centre et j'avais pas vu que c'était ça qui était marqué dessus. Et du coup, oh, mais le truc, c'est qu'en fait, il y a deux gares. Oui, mais le truc en plus, c'est que il y a des travaux en ce moment à Avignon et tout. Et il y avait des travaux au moment où il y avait Alan. Et du coup, il y avait les travaux du tram. Et donc, du coup, bah, il y avait énormément de monde. En plus, c'était l'heure de pointe. Il y avait le festival d'Avignon en même temps. Ouais, il y avait du monde. Wow, c'était l'enfer pour aller, du coup, jusqu'à l'autre gare. C'est hyper blindé. Hier, Flavie, j'ai bu du Malibu Orange. J'ai pensé à toi. Oh, merci d'avoir pensé à moi. Ah, c'est moi qui l'ai acheté, quoi. Ouais, bah, on s'en reboira, Alan. Oui, c'est trop bon. On critiquera les autres en buvant. Désolée d'interrompre les conversations, mais je m'en vais, donc voilà. Adieu. Adieu. Il y a un truc qui me perturbe. Alan, t'as les mêmes intonations de voix que Ribbon. Ah. C'est peut-être pour ça qu'on est potes, tous. Ça, t'inquiète. Qu'est-ce que je voulais écrire déjà? Putain, je suis trop. Oui. Merci, chien. I'm c'est lonely. Gentil. I'm lonely. Quoi? Rien, c'était l'humour d'Alan. D'Alan. Non, c'est Alam. I'm lonely. I'm lonely. J'arrive pas à chanter, bonjour. Putain, il y a un sacré décalage en vrai sur mon live. C'est chiant, ma mère m'a piqué mon bureau, je peux plus utiliser ma tablette. Qui ? À qui tu parles ? C'est qui parle avec qui ? Mais c'est moi, j'ai pas compris ce qu'il a dit à Alan. Ah, j'ai dit ma mère, elle m'a piqué mon bureau. Du coup, je peux plus utiliser ma tablette. Ah. C'est chiant. Vilaine maman. Vilaine. Non. Oh. J'allais dire, mais t'es pas en internat, mais j'avais oublié. Si, je suis à l'internat. Ouais, ça va. Le dimanche. Oui. Je traîne avec des gens qui sont pas encore inscrits à l'université et qui fument et qui boivent pendant les intercours. Ah mince. Mon dieu.
Ah, quelle belle présentation, Flavie. Puis la dernière fois, j'arrive, je les rejoins dans l'herbe, tu vois. Et puis, il y a mon pote, il me fait « Tiens, regarde, c'est du jus de pomme. » Et moi, Kekon, je goûte. C'était quoi? C'était vodka Red Bull. Oh non, mais non. Il était 10h du matin. Non, c'est possible. Oui. Mais en plus, là, comment, déjà, c'est pas ouf. Je veux juste comprendre comment t'as fait pour pas te rendre compte. Mais parce que à la couleur, ça ressemble à du jus de pomme. Mais le, oui, le la Red vodka Red Bull, mais en fait, c'est... Oui, mais c'est gazeux, mais de loin, tu vois pas. Enfin, je sais pas. Puis c'est mélangé à de la vodka, donc c'est un peu moins gazeux. Les fameux diluants. En plus, j'ai après, des potes qui m'ont dit qu'ils avaient... Il y a certains super forts qu'ils n'ont jamais bu avec du diluant. Ah. Et t'as moi qui ai jamais bu tout court. Mais c'est bien, Loli. Reste comme ça. Je suis sage. Mais il reste une enfant sage, c'est bien, Loli. T'aimes bien souligner le fait que je suis plus jeune que toi. Oui. Espèce de gosse. T'as l'âge de mon frère, putain. Ton frère, il est pas en seconde? Non, mon frère, il est en première. Ah, putain. Ah, il a un an de moins que moi. Ah, il a l'âge de Ribon. Et de moi, du coup. Ah, bah oui. C'est un 2003, mon frère. Ribon, c'est 2003? Ribon, elle a pas 2 ans de moins que moi. C'est pas une 2000. Elle a un an de moins que moi. Du coup, c'est une 2003. Ah, merde. Ah ouais, toi t'as 2 ans de moins que moi, c'est vrai. Elle est née en juillet. Je me rappelle plus de la. Attends, je me sens con là. Ah, en fait, on se suit tous quand je. C'est drôle. Il y a juste Ayu et Anaël qui sont nés même année, non? Mais non, c'est moi et Anaël. Ah ouais? Ayu. Ah ok. Du coup, ça fait vous, Shira. Ayu. Oui. Ayu, elle est plus jeune que vous, non? Oui. Même si on dirait pas, on dirait que c'est ma daronne, Ayu. Qui fait 1m70? Oui, et puis même, elle a une voix méga grave. Bah, je l'entends pas beaucoup parler, moi, Ayu. Je l'entends chanter, et quand elle chante, elle a une voix... J'arrive même pas à décrire sa voix. Oh, Mathia! Salut, Mathia. Mathia? Je crois, oui. C'est Mathia Kurbita qui est arrivé. Oui, il s'appelle juste oui. Normalement, oui, c'est Mathia. On verra. Mais quoi? Satsu. Ok. Ah. Mais Mathia, il parle pas. Mathia. Je suis à Champ... Ah non, je voulais dire que je suis pas... à Champollion. Mince. Je suis... Parce que je suis dans le lycée où Mathia il était. Ah. Il est parti. C'est trop triste. Je voulais dire en plus depuis longtemps. Ah, il est trop, je le croise. Oh Mathia, coucou. Ah, ça marche toujours pas. En vain. Qui ne tente rien, du coup. Mais est-ce qu'il nous entend même? Est-ce que tu m'entends? Attends, eh oh! Oula! Allô? Oh, allô? Incroyable! Wow. C'était c'est une bataille contre mon PC. Oh mon dieu! Bah oui, bien sûr que c'est moi. Trop fort. Bon matin. Ah merde, je voulais parler avec Mikaya parce que je me disais que Mikaya me disait quelque chose. Pas étonnant! Mais non, parce que je la connais en fait sur la ANVF. Ah bah. Le groupe ANVF. Bah oui. Re Loli. Re. Du coup, je vous dis bonjour en bonne et due forme. Bonjour. Bonjour, Mathia. Bonjour. Toujours en train de dessiner? Oui. Moi? Ah non, elle, ok. Et il va revenir. Elle. Ah, elle. Par contre, cette chose là. Ah. Reviens, ah oui, je reviens, je vais demander de l'aide à mon vraiment rien. Est-ce que va Mathia? Okay. Oui. T'étais à Champollion? J'étais à Champollion. T'étais en quoi? J'étais en CVPM. T'avais Madame Uté? Non. Ah, Monsieur Maillet? Madame Lambeau? Oui. Ah, mais du coup,
Oh oui, le temps qu'il réalise. Je vais venir te voir. Bah, je vais venir te voir. Tu es à l'internat en plus, tu es à Georges Fraîche. Mais pas maintenant, parce que là, moi, je suis à... Non, mais là, je suis pas maintenant non plus. Bah oui, mais, mais moi, ce que je te propose, c'est que, genre, attends... Eh, attends, jeudi, je finis à 11h. Yes, sérieux, incroyable. Oui, prof, je sais pas quoi. Terrible. Bah vas-y, jeudi. Vas-y, jeudi. C'est parti. Vous ferez des photos. Je veux des photos. Ouais, bien sûr. Du coup, Monsieur Maillet, est-ce que t'as remarqué que Monsieur Maillet, il fait tout le temps « Hein hein ?» Mais arrête, mais c'est même pas ce qu'il raconte, il est dans la lune quand il parle. Tu sais, il s'arrête 3 heures pour chercher le mot et tout. Enfin. Ouais, il fait Ah non, si on entend plus, attends. Moi, j'ai peur comme prof. Hein 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 hein. J'ai peur comme prof. Ah. Un prof, à chaque fois qu'on lui pose une question, il se détourne de la question, de la réponse. Et bah, il parle d'autre chose. Il y a beaucoup de... Dès qu'il parle, dès qu'il parle de quelque chose, mais il repart d'autre chose après. Et ainsi de suite. Ah. Madame Lambeau, c'est juste la meilleure prof. Voilà. Ça va, elle est chouette, elle est passionnée et tout. T'es qui en prof d'histoire? Monsieur Tournant. Monsieur quoi? Tournant. Ah. Okay. Ça va, elle est cool. Je sais pas si... C'est vous, pardon, je sais pas finir. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Bah en fait, c'est surtout que, en fait, des fois ça me le fait. Mm-hmm. Mais quand j'appuie, des fois sur mon téléphone, ça me remonte tout en haut. Ah. Moi, ça me le fait pas. Moi non plus, je crois pas. Moi non plus. Ça me le fait sur YouTube, sur Discord. Moi, j'ai pas un téléphone de mort. Moi j'en ai un. Moi c'est Xiaomi, le dernier NFT. Moi j'ai Louis Co. Moi j'ai un Huawei. Huawei. Alors je tiens à vous dire que j'apprends le japonais. Voilà. C'est un truc. Tu deviens Kiku? Non, enfin pas vraiment. C'est juste pour pouvoir regarder les animes et en même temps jouer. Ah d'accord. Comme ça, je fais deux choses en même temps. Niveau de faire merde, ça te fait apprendre. Au pire, sur Internet, il y a un mec qui apprend le japonais hein, sur YouTube. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, j'ai appris le japonais aussi. Si tu veux, j'ai 3 années de CNED en clé USB de japonais. Vas-y, on voit. Je les passerai. Mais. Bah, non, ce que tu fais, c'est que tu t'envoies par WeTransfer, MDR, lol. Trop marrant. Bon, bah, je le ferai quand j'aurai mon interrégion sur moi. Là. Là, je suis écoute, moi, je suis sur un site internet, ok. Le site est ultra complet. En 3 jours, j'ai pu apprendre tous les katakana entiers. Genre, là, je les connais tous par cœur, là. Ah, c'est de refaire. Et je peux te les... je les écris et tout. Genre, du feu de Dieu. C'est marrant parce que du coup... Mais je peux lire des textes parce que je connais les trucs, tu vois. Mais tu sais pas ce que ça veut dire. Non. Ça c'est chiant. Toi tu vas être là. Ouais. Tu sais, je suis là, je fais chi t'es. Genre par contre je lis vraiment très lentement, tu vois. Ça fait qu'une semaine que j'ai appris. Mais je lis nan 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 nan. Je fais yes, j'ai compris. C'est faux. Oh un chat. Voilà. Du coup, c'est vachement cool. Alors, je viens de me rendre compte que... Alors... Je vais mettre mon suite à Igao, je reviens. Ok. Mais ouais, champignon, c'est méga spécial. Hein. C'est... Ah, mais c'est le chétan. C'est genre, qui est vénère sur son... Je vais résumer le truc. T'as les superficiels fumeurs. T'as les... T'as les cheveux bleus, puis t'as les... T'as le reste. T'as le reste. Non, alors, t'as le côté pro, le côté général. Ouais, général. Et ensuite, il y a toujours des gens au milieu, tu sais, qui sont en général, mais qui viennent du côté pro. Et ensuite, il y a les... Alors, côté pro, il y a les fumeurs, de ouais. Bœufs, de shit, de ce que tu veux. Oh, t'as les gens comme moi, genre, ils fument pas, ils boivent pas, ils sont complètement sains d'esprit, tout ça. Wow. Et mais par contre c'est genre des full otaku de mort de la mort qui tue vraiment
C'est le genre de kikoulol de mort. Ceux que t'as envie de frapper très fort. Moi, je suis en bac pro. Je suis sain. Et voilà. T'es en quoi comme bac pro? En bac pro mécanique. Ah, okay. Avant, j'ai fait une réorientation. Avant, j'étais en électricité. Ah ouais. Mm-hmm. Voilà. Juste avec Chirac, je vais déjà parler de tout ça. Hein. La 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 la. Ah, les bac pro SN, c'est des cassos. Voilà. Mais tous. Alors, tu verras, je crois que j'ai une classe de SN. Normalement, il y en a un qui s'appelle Nicolas. Okay, il est immense. Quand moi j'étais en terminale, il avait 15 ans, il était en seconde. Il faisait deux fois ma taille. Il avait plus de barbe que moi. J'étais choqué. Et c'est simple. Le gars, c'est le pire cassos de l'histoire. Que je connaisse, en tout cas. Mais tous les SN, c'est des cassos. Je sais pas si c'est tous les SN, mais tous les SN. Lui, je crois que c'était le chef des cassos. Moi, ce qui est drôle, c'est que je fais 15 ans alors que j'en ai 18. Ah. Et même à ta voix, tu vois, c'est bizarre. Attends, je suis sûr, hein. Voilà. Et du coup, c'est fou. Enfin, je pense que Champollion, c'est le pire lycée où tu puisses aller. Vraiment. Il y a vraiment pire. Spécial, hein, quand même. Il y a aussi Coulommiers, hein. Coulommiers, là-bas, t'es genre. Ah ouais, ok. Tu vois une prison? Ah bah c'est pareil au Colombie, hein, c'est une prison. Ça ressemble à une prison? Genre vraiment, genre même à l'extérieur, ça ressemble à une prison? Non, en fait, c'est surtout le règlement pour les internes. Ah oui, non, parce que le lycée Champollion, tape lycée Champollion, LAT. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Envoie-moi le nom en MP. Non, mais au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Internet, et je vais faire Champollion. Champollion, image. Champollion, LAT. C'est vrai qu'il est bizarre, genre j'étais choqué. Mais en fait, c'est genre, on dirait vraiment une prison. Nous, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un truc totalement con, c'est qu'ils ont rénové les internats, alors que dans 2 ans, ils vont construire de nouveaux internats. Intelligent. Ça, c'est les lycées, ça. C'est toujours la même chose. Copier l'image. Il va falloir vraiment les compagnons du devoir, perso. Hein. Regarde spam photo. Ok. Ouais. Du coup, t'habites où, Mathia? Moi, Mogyo. Mogyo, arrête de... Ouais, moi, je suis un Melgorien, ouais. Ah ouais. C'est marrant. Ah ouais, chaud. Ouais, ouais, voilà. Tu vois, on dirait les dessins des fondations de SCP. Ouais, c'est ça. Oui, c'est le lycée, voilà. En fait, votre lycée, c'est la fondation SCP. Meilleur lycée. C'est ça, c'est même pire que la fondation SCP. Je sais pas s'il a fait l'architecte, mais en tout cas, il a dû se tromper. Hein. Je pense. Il a dû se tromper de bâtiment. Hein. Les quoi CPM, là, une école? Ah, mais j'y étais pas au courant. Mon dieu. Ah, une école? Ouais, c'est ça. C'est quoi ce truc? Ah, c'est quoi? Okay. D'accord. Alors que moi, mon université, elle est belle. Elle est. Alors, Shira, dans les commentaires, on dit que tu es la best girl. Shira, c'est ma best girl. Merci, Ina. Ça a toujours été la best girl. Je suis la best girl. elle est au-dessus de tout. C'est best waifu. Bon. Waifu XXX waifu. Attendez, il y a des photos trop belles de mon université. Attends, vas-y, montre-nous, Flavis. Vas-y. J'ai pris un screen parce que j'ai la flemme. En fait, c'est un vieil hôpital. C'est vrai qu'on était passé à côté. Ah oui, quand même. Ah, ok. C'est un vieil hôpital qui date de 1300. Oui. Les remparts, c'est beau. Oui, on est dans les remparts. Bonjour. Versailles, voilà. Coucou. Tu vois, on dirait une vraie université. Coucou, mission. Quoi? Quelqu'un dit mon nom? Oui, bonjour. Bah oui, on te dit bonjour. On te dit bonjour. Alors, on dit bonjour, en fait. Quoi? On a dit mon nom? Je suis pas, je suis connu. Exactement. Il faut renommer Misuzo, allez. Mais pourquoi? Je suis très bien en Misus. Non, Misus. Ah ouais, c'est vrai, je l'ai pas marqué. ça fait un peu quelques mois que c'est comme ça. En fait, parce que en fait, moi je pensais que c'était Misus et pas Misus.
Bah après, si t'as pas le bon humour, c'est pas notre faute. Ouais, bon, écoutez, moi je prends pas les rageux. Je prends les rageux. Non, je prends les rageux et je les craque. Les craque comme ça. Moi, pour moi, les rageux vont maigrir. Voilà. Ah. Celle à tous. Alors, j'aimerais bien être une rageuse alors. Celle à toi alors. Gros sel. Genre sel fin. Sel fin pour les petits rageux et gros sel de la mer pour les, de Camargue pour les gros rageux. J'ai un ami qui a un gros rageux. Et je lui ai appris ce que ça voulait dire le sel. Le sel, c'est genre un truc qui est dans la mer, en fait. Le sel. Exactement. C'est des baleines. Genre, en fait, c'est le pipi des baleines. Mais pourquoi vous vous moquez ? C'est le pipi séché des baleines. C'est le pipi séché des baleines. Trop marrant. C'est vrai ? Oui. Non. 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 Arrêtez ou je vous mute. Non. Si. C'est homophobe de muter les gens. Ah, j'avoue. C'est homophobe. Ah. Bon, bah d'accord. Homophobe. Ah. Vous allez tous... Coup, arrêtez, vous allez me faire... Vous allez me faire clôturer ma chaîne, là. Juste parce que pendant un live, vous me dites homophobe. Mais oui, oui. Oui, encore. Oui, parce que je dessine. Moi, je sais pas. Au secours. Au secours. Salut, les gens. J'ai mal. À l'aide. Au secours, mon bébé est tout bleu. Je vais utiliser un truc rigolo. Attendez. Oh, merde. Il faut que je retrouve. Je sais que va arriver. Normalement, c'est ça. C'est qui, ça? C'est Miss Fus. C'est que maintenant que tu me demandes en ami... Pardon. Pardon. Tu sais très bien à qui je parle. Tu sais très bien. La personne ne se reconnaît pas. Non, mais justement, la dernière fois, je te cherchais et tu changes de pseudo tout le temps. Mais il y a Alan. Ouais, excuse bidon, va. Bah. Voilà, je vous demande tous les deux en ami pour la peine. Alan, je t'avais pas vu. Alan, c'est moi qui t'ai dit Missy, tu te fous de la gueule. Oh non, ça va, Margot? Comment ça va, toi? Moi, je vais très bien. Moi aussi, ça va très bien. Attendez, je reviens. Voilà. Enfin, le temps que je revienne, non, attendez. Ne reviens pas. Ça va te rentrer, Margot? Ça va très très bien, et toi? Moi, ça va, on va dire à moitié bien. C'est bien, ouais. Pourquoi t'es bien? Parce que je suis en internat. Je connais la détresse de l'internat, bonjour. Voilà. Trop bien. Ah, ça y est, j'ai internet, incroyable. Courage, tu vas t'en sortir. Alan. Oui, t'inquiète pas, toi aussi, Margot. Allez, bisous, à plus. On sent, on sait pas pourquoi, mais je sens une légère haine entre les deux. Non, plutôt non. Gêne. Plutôt gêne. Mais plutôt gêne. Non, je sais, mais... Que de la gênance. J'ai pas un casou, s'il vous plaît, je veux un casou. Ouais, moi j'en ai un casou. Moi j'en ai un, le casou, il est là. Vas-y. Mais il y a tout le monde qui dort chez moi. Bah les couilles. Bah non. Je m'en vais me faire taper mon... je me disais la même. pourquoi il dorme à 18h? Bonne question. C'est la vraie geste. Non, en vrai, c'est parce qu'ils sont fatigués toute la semaine, ils travaillent et tout. Et ouais. Là... Les joies d'avoir un restaurant. Moi, mon père est à la retraite et ma mère, elle travaille dans un centre culturel. Moi, ma mère, elle est fonctionnaire. Moi, elle est ATM. Elle fait rien de sa vie. Jugez-la. Elle range des papiers. Gilet jaune. C'est une autre insulte encore, les gilets jaunes. En parlant de ça, j'ai vu une vidéo, ils avaient fait... un petit groupe de gilets jaunes qui avait fait la musique d'Evangelion, l'opening d'Evangelion. La retrouver. Qu'est-ce que... Je crois que tu vas... Ah. Evangelion, Alors attendez, logiquement, oui. Tu devais pas refaire une chaîne. Si. Ah, attends, casse-co.
Mange, t'es mort. Juste mort, en fait. Juste, ne ressort plus jamais ce pseudo de Thaïs. Casco. Mais non. Ah oui, c'est vrai, Casco. Ça fait mal. Arrêtez. Ah, j'ai mal au cœur. Grave. Je vais prendre une crise cardiaque. Casco. Ah ouais, c'est chaud. Alors, pourquoi t'es toujours là où je vais? Tu fais exprès ou quoi? Le con a réussi à m'énerver en une phrase. Incroyable du cul. C'est une prosthéticienne. Ah. Un mélange de péripatéticienne et de prostituée. Prosthéticienne. Incroyable. Eh, Flavie, Dollhouse, oui, t'irais mieux. Hein, moi, je dis, tu devrais faire Dollhouse. Casse les couilles. Non, mais en vrai, genre, c'est trop bien, Mélanie Martinez. Mais oui. Et puis je suis retombée amoureuse de beaucoup de ses chansons et du coup je me suis dit vas-y go faire un cover. Homophobe. Va mourir. Homophobe. Ah. Oups. Ok. T'as fait du quoi? Non. Nope. Putain. Nope. Mais ça va pas la tête. La concoco. Na. Est-ce que je gueule moins que d'habitude? Oui. C'est bien. C'est parce que je suis malade, ne vous inquiétez pas. Ah. C'est parce que je suis malade, ne vous inquiétez pas. Non mais je m'inquiétais pas, tu sais. On s'en fichait un peu de toi. Non mais je vous dis pas ça pour vous vous inquiéter, c'est parce qu'en fait, genre... Quand je serai plus malade, je crierai. Non, non, mais non, mais justement. C'est bien comme ça, en vrai. Vous savez, je peux crier aussi. Hein. Non, bon, non, merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai mal à la tête, je suis malade aussi. Moi, j'ai une otite et une rhino, s'il vous plaît, j'ai envie de mourir. Moi, je sais pas ce que j'ai, mais je prends des médocs. Je fais des... Je suis migraineux, bonjour. Moi j'ai Ebola. Ok. Ah. Non, c'est calme. La fête d'Ebola. Ebola-chan. Bon. Ah, Margot, c'est toi qui es né le 15 avril. Oui, c'est moi. Ah, c'est vrai, trop ma pote. C'est sérieux, ouais. T'avais oublié. Bah oui, je me disais, mais c'est pas elle qui est née le 15. Alors, rajouter. Oh merde, j'en étais sûr que j'allais le mettre, je savais qu'il allait le faire. C'était quoi ce halo viril? Bah, c'est allô, simplement ce qui s'appelle voice mode. Oh non. Il a ajouté voice mode, j'en étais sûr. Arrête. Blanche. Tu m'embêtes. Vous m'entendez? Oui. Tu nous embêtes. Tu nous embêtes, Mathia, là. Je vous embête. J'ai entendu, je suis bête. Allô? Oui. Oui, allô? 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 Les gens, ils vont débarquer sur mon live, ils vont entendre allô? Il était une fois les présidents. Allô? Oh non. Allô? Non. Allô? Allô? Bonsoir. Alors, c'est simple, mon micro des fois il marche, des fois il marche pas, ça me saoule. Ouais, avec le phone ça bug un peu. Mais moi, t'as l'air. Ah! Allô? Oui! Allô? Alors, quand Missus. Alors, à ce qui paraît, elle est malade, hein. Elle est malade. Oui, je suis malade. Ah bah, entends, mais... là, par contre, elle nous entend... Voilà, je l'ai récupéré en... Là, il faudrait qu'elle nous entend couper son casque. Jesus. Elle va dire, pourquoi vous parlez... Exactement. Pourquoi vous êtes moche? Non, mais je... C'est moi, j'ai pas... Oh, et pas allez, moche. Moi, merde. Avec une masque, vous avez dit quoi? Enfin, okay.
Bon, sinon, à part la Je pas grand chose. Je chante et je fais du karting. Je suis jamais allé à une soirée, moi. Mon tu vois, genre 7. Ouais. Wow. Ouais, mais moi, personne ne connaît. Bah, c'est normal. Voilà. À deux dans le même. Dans le même. On t'aime tous. Moi, je sais pas. Bah, parce que Marco, c'est la. C'est. Voilà, ok. Margot, elle est au-dessus. Ta Margot et ta Shira. C'est juste en dessous de Shira, tu vois. Moi, je suis au-dessus de tout le monde. Ouais. Ici et dans ce serveur, en tout cas. Bande de. De salpêtre. Et merci, voilà. Avec plaisir. Toujours un plaisir de donner des bonnes peines. Allez. Vous savez que je suis vert? Oui. Enfin, personnellement, je le savais. Moi, je vous attends, je suis en rouge. Moi, je suis. J'étais okay. À la marche. Okay. Et il y a des gens que je connais pas sur un. Ils m'ont suivi et ils m'ont dit: ouais, j'ai vu que toi à la marche pour le climat. Ah. Vous voyez? En même temps, ouais. C'est sûr que vert fluo, on peut que te voir, quoi. Quand on n'a pas envie, on. Quelqu'un n'a pas envie de me voir? Oui, moi, oui. Par exemple. À foutre. Avec plaisir. De quoi? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il est plutôt du. Ouais. Du cul. Et il est actuellement en train de les lire là. Trop marrant. C'est bon, je lui ai dit. Pourquoi tu. Ça, c'est qui le fait? Hein? MV? Du cul. C'est qui MV? RMV? Le meilleur. Qui tient le bot du cul?